Ce que je me demandais, c'est... Voilà, on est en ligne, il y a l'écran. Waouh ! Et bienvenue sur la page de Roll Steam sur Twitch. Et aujourd'hui, on va jouer au scénario d'intro et à la création de perso de Freak Squill. Ou Squall, ou Squall. Enfin, bon, voilà, Freak quoi. Squill, oh là là. Si l'un d'entre vous peut aller sur le Twitch pour vérifier qu'il y a du son, ça m'arrangerait. Oui, il y en a. Ouais. Okay. C'est bon. On a un go. Et donc on a 3 cobayes et un MJ. 3 joueurs et un MJ. Non, 3 joueurs et un sadique ou 3 cobayes et un MJ. Mais voilà, c'est un mix Chrome de deux. Je vais vite faire un petit tour hein, des personnages. Donc Chrome qui fait MJ, Obi donc le maître de la page, hein, le maître des lieux et tout ça, qui est joueur, Wedge qui est joueur, et Tlon Bar qui est joueur et à 16 heures perdues qui martyrise des chats dans des jeux de rôle. Mais seulement dans les heures perdues. Ouais, ou des Américains perdus en Angleterre. Hein. Donc on va jouer à Freak Squill, donc je refais un petit topo à la fois pour vous et pour les gens qui écoutent. Donc Freak Squill, c'est un jeu de rôle ou jeu d'aventure marqué sur la jaquette, et qui est une adaptation donc d'un comics français édité chez Ankama, qui s'appelle Freak Squill, oh, et qui est écrit par et dessiné par Florent Maudou. Lui c'est marqué. Et le jeu de rôle a été fait par 2D Sans Face et Florent Maudou, dont nous on connaît un certain Adias qui va peut-être juger tout ce que je vais faire ce soir. Donc j'ai pas du tout la pression. Wouh. Moi je l'ai, je suis en train de la boire. Ouais, salaud. Ouais, pareil, j'en bois une. Et la route de Thor, c'est pas mal comme bière. Si vous pouvez vous en fournir, c'est sympa. Eh mais arrêtez, la vidéo, elle sera pas compatible avec le CSA et tout, là. C'est de l'éducationnel, moi, là. Donc, dans Freak Squill, vous jouez des étudiants de première année qui intègrent une école de super-héros. Vous avez vous-même des super-pouvoirs. Et nous sommes dans un univers où les gens peuvent avoir des pouvoirs. Qui est un univers parallèle à notre univers à nous, qui a sa propre chronologie et des règles qui ont complètement rien à voir, vu que les héros existent a priori depuis la nuit des temps. Et avant, certains étaient considérés comme des dieux. Alors les dieux antiques, tout ça. Donc, je vais pas aller énormément plus loin là-dessus. La seule chose que je peux dire en termes d'historique qui permet de se faire une petite idée, c'est la loi de David. La loi de David, c'est plus un peuple est oppressé, plus les héros qui vont apparaître dans son peuple seront puissants. Ah oui, c'est pas bon pour ceux qui oppressent. C'est pas bon pour ceux qui oppressent, qui voilà. Et surtout, ça fait que la terre, il y a pas eu de peuple oppressé très longtemps, on va dire. Ce qui fait que tout ce qui est peuple amérindien existe toujours, tribu amérindienne existe toujours, sumérien, babylonien, je sais pas exactement ce qui existe et ce qui n'existe pas, mais en gros, à partir du moment où il y a eu de l'oppression, ça s'est mal fini. Et de ce que j'ai pu lire, a priori, bon, il y a eu aussi 2 guerres mondiales, qui sont pas du tout aux mêmes dates que les nôtres. Et un des faits de la dernière guerre mondiale, avec les Teutons, parce qu'on est en Gaule, et à côté c'était la Teutonie, hein, c'est que quand on enferme des prisonniers d'une certaine religion juive au même endroit et qu'on commence à massacrer la population, et ça finit par un golem géant qui sort d'un camp de concentration et qui va défoncer Berlin. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la loi de David. Voilà. C'est référence David et Goliath. Ah oui, forcément. Voilà. Mais voilà, c'est pour vous dire que en gros, en termes d'univers, il y a beaucoup, beaucoup de populations. Il y a pas mal de choses qui sont liées aux légendes qui existent, etc. Voilà. Les Espagnols ont dû manger sur la découverte des Amériques. Ouh, la vache. Oui, il y a des chances, ouais. Et donc, juste pour vous dire, donc vous allez jouer juste des gens qui sortent du lycée ou du moins qui intègrent l'université en première année. Et l'université, bien sûr, de super-héros parce que vous voulez devenir des super-héros. Alors, sachant que c'est très large, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs professions. Par exemple, tu peux être un super-lawyer, c'est-à-dire un avocat
qui a des super pouvoirs et qui utilise ses super pouvoirs pour en fait faire son travail. Et à ce moment-là, en fait, il gagne le titre de super parce que il utilise ses pouvoirs pour son travail. Mais genre ça, l'avocat qui fait dire la vérité à tout le monde. C'est... Mais pour ça, dans tous les cas, il faut en fait avoir un diplôme. Et le diplôme, bah, faut aller à l'université. Et est-ce qu'on peut être en super sans plomb ? Ça dépend. Ça dépend si tu t'es bien fait raffiner. Ouais, mais si tu te fais plomber, justement, tu l'es plus, sans plomb. Bah, à partir du moment où tu t'es fait plomber, c'est que t'es un peu un trou de balle, donc ça va. Ça oh, commence bien. C'est grâce à ça. C'est assez rigolo parce que je me vois bien. Tu fais quoi, toi ? Bah, moi, je passe mon bachelor super-héros. Ah ouais, cool, attendez-vous. Voilà, on va attaquer les vols avec les capes, c'est sympa. Voilà. Sachant que donc nous sommes donc en Gaule, on joue donc des Gaulois ou du moins pour aller plus simplement des Français, et vous allez entrer dans le campus de la FEAH ou FEA ou Faculté d'études académiques des héros. C'est une université qui a une bonne moyenne réputation. C'est pas la meilleure université de France, qui est Saint-Ange. Mais elle a sa petite réputation. Et il faut savoir que l'année dernière, il y a eu un événement assez fâcheux qui s'appelle quand même la guerre des écoles. Il y a des écoles qui se sont foutues dessus à coups de super. Ah, ça finit en émeute avec l'armée. Hein. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Bon, tout ça, bien sûr, c'est dans le tous les événements qu'en fait qui sont relatés dans le comics. Le début de l'histoire qui se passe juste l'année après le comics. À savoir que les héros du comics sont en troisième année. Vous entrez en première année. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu nos modèles, quoi. Alors, on va se faire bisous. Vous pouvez considérer qu'il y a un personnage, quand vous regardez sur la feuille que je vous ai filée, la nana qui est au centre avec ses cornes, qui est Chance Destin, comme Giscard d'Estaing, mais sauf que c'est Chance Destin. Voilà. Et oh putain. Je pense que les jeux de mots pourraient être le bienvenu ici. Dans tous les cas, donc Chance Destin est devenue une espèce d'icône mondiale de l'espèce de révolution qu'il y a eu dans la fac. Et donc est ultra connue, ainsi que normalement la plupart de ses amis, mais un petit peu moins plus nationalement les autres. Dans tous les cas, nous sommes lundi 3 octobre 2017. Et c'est une belle matinée d'automne, en ce jour de rentrée universitaire sur le campus de la FEA, donc la Faculté d'études académiques des héros. Et bien sûr, vous êtes donc étudiant, et c'est votre première année, et vous êtes en retard. Vous avez pris le tramway depuis Avalion, ou Lyon dans notre univers à nous, jusqu'à Laon-Jumeau, et de là, emprunter le funiculaire qui monte sur la colline au Corbeau, où se trouve le campus, avec tous vos bagages. Vous devez vous rendre à l'amphithéâtre A pour les formalités administratives, et vous êtes perdu. Il faut dire que l'endroit est un curieux mélange d'architecture ancienne entre victorien gothique et style haussmannien de concours, et de végétation en folie où les véhicules sont bannis. Il faut savoir aussi que l'endroit est en travaux suite à la guerre des écoles et qui a eu lieu à la fin du printemps passé. Le campus a subi donc un paquet de destructions et les chantiers ont fleuri pendant tout l'été. Mais ils ne sont pas tous terminés, barrant certaines routes, certaines places. Et bien sûr, les plans que vous avez, ils ne sont pas à jour. Donc forcément, vous galérez et vous paumez. Eh, c'est bon pour la Gaule, ça. Quand le BTP va, tout va. Vous finissez par déboucher sur un grand parc, non loin de la Tour au Corbeau. Autour de vous, des étudiants en première année, comme vous, mais également d'autres jeunes gens qui abordent un gilet jaune frappé du mot « orientation ». Je le dis en majuscule parce que c'est écrit en majuscule, voilà. Et « orientation » en majuscule. Et quelques personnes que vous identifiez sans peine comme potentiellement des professeurs. Bon, donc, comme je vous disais, donc des jeunes gens avec un gilet jaune marqué « orientation » en majuscule et quelques personnes que vous identifiez comme les professeurs. Si la plupart d'entre eux ont des apparences banales, quelques détails peuvent vous surprendre. Par exemple, un grand blond en polo avec une marque qui aborde un discret troisième œil sous un brushing impeccable. Sa voisine engoncée dans un sweat à capuche, mais qui a une peau d'un joli bleu royal et des yeux jaunes. Et oui, c'est bien une fée de 30 cm qui volait entre deux. Et vous, à quoi vous ressemblez? Donc voilà, en gros, nom et apparence, même si vous m'avez déjà donné une petite photo. Pour les gens, ça va permettre déjà de faire une petite idée. Et puis après, j'ai d'autres questions à poser.
Alors moi, je pense que ce qui correspond le plus à mon personnage, c'est le mot rectangle. Voilà. Ou armoire normande, c'est ça? Ouais. Ou plus ça va pas voir vexer les Bretons et les Normands. J'ai l'aérodynamisme d'une armoire normande, si tu veux. Toute dans la finesse. Oui. Malgré mon côté très bourru, on va dire, très massif, je cache derrière une personnalité très discrète et très très fine, très très poussée sur l'intelligence, tu vois. Vas-y, Wedge. Les gens ont peur de moi, tu vois, parce que je suis costaud, mais en fait, non. Et c'est quoi, du coup, ton nom, en fait ? Un métalleux nourri au bisounours. Nourri au bisounours. Et l'armoire normande s'appelle Renaud Charbonnier. Renan. Renan, pardon. Renan Charbonnier. Renan Charbonnier, ok. Okay. Après, bon. Ton personnage, Wedge, donc Hikaru... Et, alors, Hikaru Ichijo... C'est une personne. Un pompage géanté. Excuse-moi. Un pompage géanté. Seulement ceux qui connaissent savent. Voilà. Originaire de Provence. Donc, non, mais en gros, oui, c'est un japonais. Oui. Mais il est né en France. De parents japonais qui sont venus. Enfin, en France, en Gaule. De parents japonais qui sont venus vivre là. Et voilà quoi, c'est. Non, bah physiquement, il est très grand, il fait dans les 1m70 quand même, c'est pas trop trop grand non plus, mais ça va, c'est. Ok. Et mais voilà. Donc, asiatique. Typé asiatique, clairement. Ce qui se voit voilà. Toujours sur les images de manga, le typage asiatique, ça c'est. Désolé. Tellement. Ok, ouais. Tlon, vous voulez dire. Alors, ben, une jeune fille brune, on va pas dire quelconque, mais passe-partout. Donc très petit. Au visage avenant et au sourire confiant, et qui s'appelle Lily Claudel, et qui n'a absolument aucun de lien de parenté avec le poète. Ok. Lily Claudel, non, aucune parenté. Voilà. C'est comme l'agent Johnson et l'agent spécial Johnson. Voilà. Donc, pour vous dire, là, en fait, on va remplir ce qu'on appelle l'attestation psychosociale. Donc, normalement, sur votre feuille de perso, ça correspond à ce qui est marqué comme le journal. Journaux, exactement. La première question, en fait, à se poser, étant d'où vient le héros ? De quel milieu est-il issu originellement ? Est-il né dans un manoir d'un capitaine d'industrie cruellement assassiné dans une impasse ? Dans un quartier gangréné par le crime ? Dans une dimension parallèle ? Et si on ne sait pas, on va le tirer au hasard avec 2D6. Dans tous les cas, j'ai, ces 2D6 proposent en fait un certain nombre de choses, et je peux vous donner ces propositions pour vous donner des idées, si besoin. Mm-hmm. Ok. Mais du coup, je vois pas du tout... Ah oui, c'est bon. Ah oui. En gros, où il est né, c'est ça en fait que je veux savoir. Oui, non, c'était. Je cherchais sur la fiche. C'est l'origine. Fait. Oui, c'est le premier. Qui a décidé de lancer. Oui, parce que c'est plus rigolo de décider. Et du coup, on le met dans la première colonne ou la deuxième en fait ? Enfin, la troisième plutôt. Alors, je vais expliquer. En fait, tu la mets dans la deuxième. La première, ça sera pour après. Pour l'instant, tu mets dans la deuxième. Ok. Donc, vous êtes deux à faire au dé, c'est ça ? Ouais, a priori. Ok. On a fait le même score. Okay. Ouais, vas-y. Ouais. Ok. Si vous avez fait le même score, si il y en a un qui veut relancer, ça me gêne pas. Hein. Relance. Pour pas que vous ayez la même chose. Ok. Oui, après tout, c'est toi qui a. Voilà, je relance. 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 Voilà. 7-6, c'est la même chose. Ah. Bah non, mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de. Comment dire, voilà, 4. Oui, mais je sais, avec 2D6, t'as plus de chances de tomber sur 7 que sur autre chose. Oui. Donc, dans l'ordre, d'abord, celui qui a fait le 4, c'est qui d'abord ? C'est Roland. Okay. C'est moi. Tradition. Tradition, tu es membre d'une tu es né en tant que membre d'une organisation mystique. Alors ça peut être une secte, un secte de sorciers, à toi de voir, mais en gros c'est l'origine est dite tradition, donc à toi de voir, c'est membre. Ah oui, donc en fait mystique. On est
On est des frics depuis des générations, quoi. Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui. De père en fille. Donc, à toi de voir quoi. Bon, le moins drôle... comment s'appelle Lily. Oui. Avec 6, donc lambda, humain normal... Enfin, encore normal, ça se discute. Tu fais partie d'une majorité de gens il fait juste partie d'une majorité de gens bizarres. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, en gros, ça veut dire que t'es né dans une famille tout à fait ce qu'il y a de plus, entre guillemets, normal. Voilà. Y a pas grand-chose. Voilà. Et le dernier, donc, 10, organisation. Donc, tu es né en tant que membre d'une organisation profane. Mafia, guilde, gouvernement. Ah bah, Yakuza, forcément. Ça le sent bien, ouais. Je le sens bien, là, tu vois. T'en penses quoi? Alors, t'as dit une organisation quoi? Une organisation... Une organisation profane. Alors, les exemples qu'ils donnent étant mafia, une guilde, ou le gouvernement. Moi, je te vois bien en japonais en Yakuza, forcément. Bah oui, bien sûr. Hein. Ouais, ma famille a fui les Yakuza, tout ça, tout ça. Bah, dans... Alors, je te demande pas de me dire si ta famille a fui, t'es né à part... Pour l'instant, le truc que je veux savoir, c'est en fait dans quel milieu tu es né. Pas où t'as été, où tu t'es éduqué. Vraiment, le milieu où t'es né. D'accord, t'es, ton origine de base. Ok. Et donc l'origine, redis le nom. C'est organisation, ça c'est le titre. Et après, il faut que tu précises à côté. Donc d'abord, t'as organisation à mettre dans le nom du truc. Et après, tu par un petit texte, tu expliques en fait quelle organisation... D'accord. Ouais, non, ok. Alors, petit tour, est-ce que c'est bon pour tout le monde ou vous avez pas d'idée sur le truc? Passer à la question suivante. Non, c'est bon. Bah, toi, ça va, en même temps. Hein. C'est pas le plus dur à réfléchir. Hein. Oui, moi je suis secte de sorciers technophobes. Ok, ça me... Et monsieur Hikaru Ichigo, Ichigo. Moi, est-ce qu'on a droit aux armées privées? Pas mercenaires, armées privées. Oui. Oui, bon, bah voilà, organisation de armées privées, ouais. Ok, une SMP, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok, donc on passe à la question suivante, c'est dans quel milieu le héros a-t-il grandi? Donc si vous voulez encore le faire au dé, allez banco. Hein. 2d6 toujours. C'est parti. Alors tous les résultats sont différents en soi. Si vous voulez. Ah. Chaque résultat a un truc différent, il n'y a pas de truc... Moi je te vois, c'est toujours différent du premier coup. Donc, on va commencer par Lily Claudel. Donc, Lily Claudel, c'est 7. 7, cité, classe moyenne, lycée municipal, HLM, Tessie, gros. Ok, d'accord. Du coup, le premier pour moi, c'est 6, mais il est différent. Ouais, c'est ce que j'allais dire. 6, ça fait banlieue, classe moyenne, banlieue pavillonnaire, lycée municipal. Classe moyenne, banlieue pavillonnaire. Avec une enfance sans doute assez classique. Et 8, bah bidonville. Milieu défavorisé, squat sordide, école de 3ème zone. T'as passé ton enfance dans un bidonville. Non, ça me va pas du tout, ça. Personnellement, je le vois pas comme ça. Vas-y, hein, si tu veux relancer, relance. Hein. Tout de suite, monsieur veut pas être dans 7, un bidonville. On va éviter. Sinon, je te le choisis. Allez, 3. Allez, 3. Ah. Errance, ballotté d'école en école, déraciné, disciple, un disciple à la traîne d'un vieux maître. Voilà, en gros. Tiens, bah t'as un sensei. Errance, cool. C'est-à-dire que t'es jamais resté en place. T'as suivi quelqu'un ou par toi-même, mais. Ça te va plus. Très bien avec l'armée. Oui. Voilà, en gros, t'as suivi Errance, les mecs en opération, quoi. Errance. Bon, pour les deux autres, à moins que vous avez des détails à mettre dessus sur cité et banlieue, mais ouais. C'est... Et la dernière, c'est comment le héros a découvert son pouvoir. Alors, vous pouvez avoir votre idée ou lancer.
ou 2d6. Ah ah. Tu vas regretter. C'est toi qui le dis, peut-être que ça va me plaire. Ah ouais, je laisse les autres lancer aussi. À moins que vous avez... Non, vous voulez pas lancer ? Oui, j'ai dit. Ok. Et attends deux secondes, je le fais. Ah, j'ai fait 7 aussi. Et 5. Ok. Donc on va commencer par dans l'ordre des numéros, donc par 5. Donc la découverte de ton pouvoir, c'est un camp soudain, à savoir en gros, un matin, tu t'es réveillé, ton réveil a sonné, et il s'est transformé en guimauve. En gros, c'est arrivé du jour au lendemain, sans explication aucune, sans que tu y sois préparé. Ok, tu... oui. Voilà. Le 7. Donc c'est quoi le nom pour, C'est camp soudain. C'est camp soudain. Voilà. 7, c'est état de choc, traumatisme émotionnel, au choix, à ton choix, donc ça peut être mort d'un proche, râteau d'une nana, enfin, ou, voilà, ou ce que tu veux, mais en gros, un traumatisme émotionnel qui a déclenché l'apparition de ton pouvoir. Un jour, t'as pu trouver ton pot de... Attends. De whey pour ta gonflette. Et on passe au dernier, Lily... Ouais. C'est chute, un accident mineur. Genre, t'as trébuché d'un trottoir, t'as été taclé au foot, t'as glissé dans une douche. Bon, c'est rigolo ça. Voilà, oui, bah oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, un incident mineur. À ton choix aussi, il faut que tu le définisses. Incident mineur. Alors. Incident mineur. Je me suis fait renverser par un scooter. Bousculé. Bousculé par un scooter, oui. Renversé, bousculé par un scooter. Allez, hein, ça va. Ronan ou Obi. Ouais. Oh. Alors attends, c'est quoi le truc? Moi je suis un peu occupé là avec le Twitch, donc refais-moi le meuleux. Ah oui, avec Twitch, ouais. C'est toi, c'était état de choc, c'est le traumatisme émotionnel. Attends, quoi que. Attends, oui, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, c'était ça. C'est ça, t'as. Traumatisme émotionnel, la mort d'un proche, un râteau d'une nana ou d'un mec. Enfin, un traumatisme émotionnel qui a déclenché l'apparition de ton pouvoir. Ah. Ça peut être le massacre entier de ta famille, hein, si t'as envie. Hein, voilà, ça me dérange. T'as perdu ton pot de protéines que tu devais prendre tous les matins pour avoir de la force. Et, ça peut être un traumatisme émotionnel. Et t'as pété un. Oui, ça peut, de toute façon c'est libre d'interprétation de ta part. Un cauchemar, ouais. Un cauchemar. Ouais, ok. Un cauchemar qui sera lié sûrement à ton pouvoir. Ouais. Ok. Et c'est où ça dans l'affiche? C'est en dessous, toujours dans les journaux. T'avais origine, après t'avais comment ça s'appelle Et milieu, pouvoir. Et puis après t'as pouvoir, c'est la... dès que commence c'est de manifester ton pouvoir. Ah, d'accord. Ouais. Et Ikaru ? De quoi ? Bah moi c'est quand soudain, donc voilà. Je me réveille un matin et puis ah tiens j'ai un pouvoir. Okay, donc au matin, toi ça peut être tout simplement, c'était mettre la situation en fait. Oui, voilà, c'est en fait il me faut le pouvoir pour ensuite la situation. Ok, pas de soucis. Parmi ces trois réponses, pour vous tous, laquelle est la plus importante des trois et définit plus votre personnage que les deux autres? Et quelles trois réponses? Là, de origine, milieu et pouvoir. Ah, ok. Oui. Origine, milieu, pouvoir. Il y a une des trois qui définit plus votre personnage. Origine, pour moi. Ok. Celle qui définit le plus, dans la colonne de gauche, vous mettez plus 2 sur celle-là. Ouais, je vais donner le pouvoir pour moi. Ok, bah comme j'ai dit, faut mettre plus 2 à côté. Les deux autres, il faut mettre plus 1. Je vais faire pareil, je vais faire pouvoir. Ah oui, mais quand tu mets... Ouais, là, tu mets une simple côte devant, normalement je pense qu'il va garder plus 2 tout court. Ouais, c'est ça. Oui, y a pas besoin, de toute façon, surtout vu que t'as un truc, t'as pas besoin de... Tu mets 2, 1, pour toi, ça ira. D'accord. C'est parce que tu mets plus normalement parce que c'est des trucs que tu vas additionner dans le système en fait après. Oui. Et voilà. Je pense que je vais faire pareil, c'est d'un seul coup je me réveille avec le pouvoir, ça a une chose quand même intense. D'importance. C'est toi qui le définis, dans tous les cas. Ouais.
Dans tous les cas, vous l'avez mais bon, tous vu défini, que je ne sais okay. pas encore c'est quoi mon pouvoir. Ouais. Les deux autres étant 1 plus 1, reste sur les trois trucs le trouble, à savoir, parmi les trois réponses que vous avez données, lequel a un côté obscur qui pourchasse le héros? Ah bah clairement le milieu. Sachant, vous pouvez le définir vous-même exactement c'est quoi ce côté obscur, ou on peut aussi le tirer parmi l'un des trois. Dans le sens où j'ai une table pour chaque pour l'origine du pouvoir et pour le milieu s'il faut. Voilà. Mais, je vais tirer sur le milieu, ça va être rigolo. Vas-y. Non, sur le pouvoir. Alors, le milieu. Hop. Alors je vais faire d'abord le milieu. Ouais, vas-y. Alors, Lily, le milieu, donc. Désordonné. Tu as beaucoup de mal à trouver ta place, même si tu fais des efforts visibles, tu as des habitudes de célibataire, probablement acquises à cause d'un vieux maître, où tu laisses traîner tes sous-vêtements, tu te promènes en slip dans des quartiers de la team. En gros, t'es assez désordonné et il te manque clairement, a priori, des conventions sociales. Je suis complètement. Et c'est lieu, au fait, du milieu où t'as traîné. Hein. Ok, oui, très bien, oui. Donc tu le mets et tu mets donc dans trouble, tu mets moins 1 à gauche de trouble et à droite tu mets la description. Mmh. Truc. Voilà. Ok. Lily, c'est fait. Ronan. Ou Ronan. Je sais pas, Ronan. Enfin, Ronan. Oui. Moi j'ai des pouvoirs. Pouvoir. Ouais, pouvoir ou... ouais, j'ai fait 10. Ok, vas-y. J'ai 10. C'est. Le héros est réticent à la pratique des rapports sexuels, surtout s'il peut, surtout qu'il peut vraiment se passer des trucs louches dans le feu de l'action. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la mécanique normale de l'exercice, mais la dernière fois que t'as fait l'amour, par exemple, le bâtiment s'est effondré. Et c'est lié en partie à ton pouvoir. D'accord. Ok, c'est cool. Et à découvrir ton pouvoir. Disons que, a priori, t'as pas dû faire qu'un cauchemar. T'as dû se passer pas mal d'autres trucs en même temps. Hein. Genre, t'as tiré ton laser en pleine nuit, t'as détruit un bâtiment en ayant un rêve mouillé, j'en sais rien. Mais voilà. En gros, il y a quelque chose qui est coincé, voilà. Une puberté difficile, hein. Explosive, même. Okay. Ouais. Et ça, je le mets dans pouvoir, du coup. Hop. Ouais, dans trouble. Trouble. Un trouble directement. Trouble. Ouais. Mmh. Oui, c'est le trouble et il est dans le c'est à moins 1 le trouble. Ok. Il reste Ikaru. Oui. Que moi je vais faire dans les origines. Vas-y. 2d6. Bah t'es japonais, c'est déjà un trouble, non? Oh. Alors, le truc, ça s'appelle « C'est écrit ». Le héros est la cible d'une ou plusieurs prophéties éventuellement contradictoires qui annoncent de sinistres événements dont il sera la cause. Il est donc pourchassé pour cette raison. D'accord, ok. Ah bah c'est prophétie, pour ça que t'es venu en Gaule, en fait. Parce qu'on arrive, on arrête pas de t'essayer de te tuer. C'est peut-être pour ça que tu erres depuis des années. C'est que... C'est ça. Ah mais ça va tout à fait. Tout s'explique. Tout s'explique. Là le hasard fait bien les choses. Et voilà. C'est quoi ton surnom en tant que super-héros aimant en merde? Ah ouais, d'accord, ok. Bah c'est un peu lui qui target quoi encore, hein, donc. Again. Petite private joke par rapport à notre campagne Cops. Pas diffusée sur la chaîne YouTube. Et Twitch. Autopromo. C'est de l'autopromo. Ok. On a fini pour la partie en fait journaux, qui est donc une des parties du truc. Je continue donc en narratif jusqu'à la prochaine. Donc, un peu désorienté par cette foule peu banale et par le chaos généralisé causé par à peu près 300 étudiants de première année débarquant dans un lieu peu familier, vous hésitez au milieu du parc. Cette hésitation dure jusqu'à qu'une jeune femme aux cheveux roux et avec des cornes et aux ailes de chauve-souris, certains d'entre vous reconnaîtront Chance Destin, qui a défrayé la chronique l'année passée lors de la guerre des écoles, vole vers vous et vous crie avec un porte-voix. Alors, je vais pas le faire sur TS pour pas vous défier. Juste une question, est-ce qu'elle porte des bijoux venus d'Afrique, elle aussi? Non. Vu l'image que j'ai sur le truc, non, oh, elle est avec, elle a un guidon, elle est dans un espèce de truc, elle a Captain America avec un guidon de vélo sur la tête. D'accord. Mais oui, non, je ne relève pas. Donc elle vole vers vous, et je vais pas le gueuler dans TS pour pas saturer. C'est par là, plus vite que ça.
Ah ouais. Et c'est avec les oreilles un peu bourdonnantes que vous débarquez dans la vaste mais très encombrée antichambre du bâtiment conçu au XXe siècle. Bâtiment conçu au XXe siècle. Et pas rénové depuis. Depuis de. Où sont attablés par table, séparés par des noms, de A à C table 1, de D à E table 2, jusqu'à les caractères non latins qui sont table 30, 32. Donc vous faites la queue à la bonne table. Donc on a déjà vu votre nom, donc je vais pas vous redemander votre nom pour le coup. Tous les cas, vous vous présentez quand c'est votre tour, et derrière la table, trois administrateurs à l'heure singulièrement identiques sont assis. Tous les trois sont des membres du corps administratif de la faculté. Ils ont l'air de vieux fonctionnaires avec des manches en lustrine et un teint grisâtre. Le premier vous demande votre dossier scolaire d'un ton là et mou. Ce document qui résume votre précédent parcours scolaire fait partie de votre dossier d'inscription. Et fort heureusement, vous ne l'avez pas oublié. Il comporte trois parties surnommées l'ABCD. L'attestation psychosociale, le bulletin d'évaluation, le certificat d'aptitude suprahumaine. Vous remettez au premier préposé l'attestation psychosociale. Il la regarde d'un œil vide, sort un tampon à vapeur de la taille d'une petite machine à coudre et l'abat dans un bruit de détonation qui vous fait sursauter. Waouh. Le cachet fume encore quand il le passe à son collègue, qui vous jette le même regard éteint et vous demande votre bulletin d'évaluation. Donc, le bulletin d'évaluation. Si vous regardez, vous avez un onglet dit compétences dans votre feuille de... On a 6 compétences de base et des cases pour pouvoir mettre d'autres compétences si des fois vous avez des idées liées à votre personnage. En gros, les compétences actuellement qu'il y a sont l'athlétisme, qui regroupe tout ce qui est force, acrobatie, marcher sur les mains, ouvrir des pots de confiture. Des pots de cornichon. Tout ce qui est manière de mettre dans la tronche à son prochain avec ou sans arme, à distance ou au contact. L'érudition, à savoir les choses qu'on trouve dans des bouquins, les lois, l'histoire, le Seigneur des Anneaux, les jeux de rôle. C'est vraiment écrit comme ça, je reconnais bien la patte d'un serpent, alias. C'est écrit comme ça. Alors, l'artisanat, fabriquer, cuisiner, bricoler des choses, exemple des chaussettes, des épées, des courts-métrages Super 8, des avions en papier, des bonhommes en pâte à pain, des bijoux, des joujoux, des hiboux, et non oublié pour les hiboux. Voilà, je ne fais que lire. Je ne suis pas responsable. Si, t'assumes. L'investigation, donc trouver des informations, mener une enquête, réaliser des TP de chimie, trouver des livres dans les archives de la bibliothèque, voilà. Et la communication, le baratin, la tchatche, le bagou, le marchandage, les potins, etc. Dans tous les cas, vous avez trois compétences que vous avez apprises plus que les autres. Il y en a une qui est vraiment où vous êtes plus fort qui sera à plus 2 et deux autres qui seront à plus 1. Et bien sûr, vous allez aussi avoir un trouble, donc une compétence à moins 1. Bah, clairement, ma compétence à moins 1, c'est la communication, vu mon trouble. C'est toi qui vois. Sachant que la compétence à moins 1 peut être placée là où il y a le plus 1 ou le plus 2, ça veut dire qu'il faut que ce soit circonstanciel. À savoir que, par exemple, si c'est l'exemple qui est le plus parlant, c'est pour athlétisme. L'athlétisme, imaginons que vous l'avez à plus 2, mais en fait, vous êtes asthmatique. Donc, il y a des moments où c'est plutôt à moins 1 qu'à plus 2. Ok. Voilà. Bon, alors, parce que, à mon avis, je te mets le plus 2 dans l'investigation. Ok, vas-y, hein, fais-toi plaisir, hein, tout ça. Et je te mets le moins 1 le plus 1, pardon, en érudition. Mmh. Et l'autre plus 1 j'hésite entre artisanat et athlétisme. Mmh. Entre les deux, mon cœur balance. Allez, je vais mettre en athlétisme. Moi, j'ai pris plus 2 en érudition. J'ai pris plus 1 en artisanat. Je me suis mis plus 1 en investigation, mais je veux peut-être le changer. L'armoire en glace, l'armoire en glace, moi je te voyais avec un plus 2 en athlétisme direct. Mais justement, les gens me voient balèze, donc ils ont peur de moi, mais du coup, voilà. C'est là où je suis plus fort, je m'entraîne même pas, quoi. Bah voilà. je Au contraire, j'ai pas envie d'en faire un bourrin, donc voilà. Du coup, je vais enlever l'investigation et je vais mettre en communication. Voilà, mon plus 1. J'ai moins 1 en athlétisme, plus 1 en artisanat,
communication et plus 2 en érudition. Voilà. Alors, pour moi... Reste le nippon. Voilà, je vais mettre... Vu mes origines, de toute façon, je vais être obligé de me mettre en plus 2 en combat. Je le sens. C'est toi qui vois. Ensuite, il y a combien... Il y a 2 plus 1. C'est ça. Ouais, il y a 2 plus 1 et 1 moins. Plus 1 en athlétisme. Plus 1 en investigation. Et combien de moins 1 ? Un seul ? Moins 1 en érudition, en artisanat. Ok. Et les deux autres, c'est 0-0, c'est ça ? C'est ça, mais c'est pas la peine de mettre une valeur en fait, mais pas de valeur. Ok. Ok, donc ça c'est votre. Les compétences que vous avez acquis durant votre scolarité ou du moins votre parcours pour certains. Après, parcours. Donc. Ouais. Le deuxième préposé prend votre bulletin d'évaluation, donc, le passe dans une machine qui ressemble à un vieux fax. Le bidule avale le bulletin avec un bruit mécanique et saccadé, un peu comme s'il était en train de le mâchonner. Il sort d'ailleurs sérieusement chiffonné. Le préposé regarde un écran LED en fronçant les sourcils, puis il vous rend le bulletin, ou du moins ce qu'il en reste. Vous passez au dernier proposé, toujours là, à une apparence aussi singulièrement similaire que ses deux collègues. Vous lui tendez le papier avec un en-tête gouvernemental, le fameux certificat d'aptitude suprahumaine. Donc, le certificat d'aptitude suprahumaine, ou H, est le document officiel qui décrit votre pouvoir. Et donc là, on va passer sur le premier pouvoir. Donc le pouvoir est défini de plusieurs choses. Déjà, il a entre guillemets son nom et comment il marche. Une certaine nature, à savoir j'ai une liste de natures qui permettent de le définir, que je vais vous donner, et des clés de pouvoir qui sont, on va simplifier pour le moment, en gros les compétences qui le permettent de l'utiliser ce pouvoir. Comment vous l'avez utilisé ? Mais je reviens. D'abord, la nature du pouvoir. Donc, la nature du pouvoir, soit vous pouvez le tirer au hasard, si vous avez envie de le tirer au hasard, et sinon je vais vous donner les différentes natures qui sont données. Mmh. Par exemple, on a la nature dite méta, à savoir un pouvoir qui a un rapport avec les autres pouvoirs. Analyse de pouvoir, annulation de pouvoir, amplification de pouvoir, voilà. On a les pouvoirs dits de nature chaotique, qui influencent les lois de probabilité, le chaos, qui manipulent le chaos, parfois à grande échelle, pour vous. Les pouvoirs dits énergétiques, manipulation d'énergie, création, projection d'énergie, feu, force, électricité, etc. Les pouvoirs dits sensoriels, une perception affûtée, un sens du danger, une vision nocturne, l'ouïe développée, une réflexion super rapide. Voilà. Après, on a les pouvoirs psychiques, manipulation des esprits, donc empathie, contrôle mental, illusion... On a les pouvoirs dits surhumains, talent surhumain, force titanesque, régénération ultra rapide, invulnérabilité. Voilà. Après, on a les pouvoirs dits de craft, le talent des enchanteurs, des forgerons de légendes qui laissent un peu de leur âme, de soi dans les choses qui façonnent. Les pouvoirs dits matériels, projection, création de matière, d'illusion physique. Les pouvoirs dits de mouvement, de déplacement, super vitesse, téléportation, vol. Les pouvoirs dits de présence, la capacité d'en imposer, de se rendre visible ou au contraire de disparaître dans la foule ou dans le décor. Et après, bon, c'est les pouvoirs exotiques, à savoir vous êtes un loup-garou, un squelette animé, etc. Mais ça, on en a déjà parlé et a priori, c'est pas ce que vous allez faire. À moins que vous faites au hasard. Si dans tous les cas, ouais. Psychomètre, dis-moi. Tu mettrais ça dans les pouvoirs psychiques ? Alors, qu'est-ce que t'appelles le psychomètre ? Définis-moi ce que c'est. Psychomètre, c'est le fait de récupérer un objet particulier, genre un sabre japonais de maître, un pinceau d'un peintre... d'un grand peintre Et d'avoir des infos où... Ou de pouvoir l'utiliser comme l'autre okay. Le fait, mais voilà. Bah écoute, pour moi c'est soit psychique, soit sensoriel, c'est l'un ou l'autre. C'est même un mélange de deux, je dirais, en fait. Hein. Bah ouais, c'est à peu près ça. T'es un super moine copiste. Ouais, super, à peu près ça, quoi. Si j'ai la plume d'oie d'un moine copiste, je peux te faire des putains de parchemins. Ok, bah écoute, tu mets la... À toi de voir comment tu le définis, s'il est sensoriel ou psychique.
Peut-être plus sensoriel, justement. Je ressens plus les choses voilà. Et je me sens investi par le truc. Déjà, tu mets dans la première case qui est le pouvoir, tu écris le pouvoir et ce qu'il fait en grande généralité, en gros. La généralité du pouvoir, voilà. Et la nature, tu mets ce que tu as dit, donc sensoriel. Déjà, on va commencer par ça. Ok. En gros, pouvoir, c'est le définir au commun des mortels. Qu'est-ce que c'est comme pouvoir? Je tire des lasers par mes yeux. Je fais sauter la cervelle par la pensée. Côté Renan et Chrome. Ouais. Oui. Je regarde le chat vite fait. Lequel? Ouais, je les mets sur Rollistim parce que. Ok. Que, du coup, pour que les futurs spectateurs de la vidéo les voient aussi parce que. Il y aura un peu de retard par rapport à. Il y a Monsieur Stéphane Gallet qui dit que les pouvoirs peuvent baver entre eux. Et que tu peux avoir plusieurs natures. Voilà. Ok. Je ne savais pas que l'alias bavait, mais bon. je te laisse mettre des paroles. Clairement. Mais vas-y. Pour moi, vu le trouble que j'ai, il faut que ça soit quand même un pouvoir assez destructeur, quoi. J'entends, parce que avoir la capacité d'un truc quand je touche l'objet, non, c'est pas le délire du perso, du coup. Tu crées des tremblements de terre. Ouais, mais c'est trop... Moi, je préférais la bonne grosse boule de feu, tu vois. Bah vas-y, hein, fais-toi plaisir, hein. Voilà. C'est toi, tu m'as parlé au départ de faire un Kamehameha, carrément, parle, donc... Ouais. Hein. Ouais, bah ça va être ça. C'est de la manipulation d'énergie, quoi. Oui. Ouais. Mais après, c'est où qu'on met ça? Alors, d'abord dans pouvoir, tu définis ce qu'est le pouvoir en soi. Après, en dessous, t'as marqué nature. Et donc là, pour le coup, c'est énergétique, quoi. D'accord. Bon, dans nature, je t'ai mis sensoriel, psychique. Hein, c'est un peu des deux. Donc, comme ça bave. Voilà, ça bave. C'est certainement un contre-coup de mon grand âge, ça. Mais bon. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que tonton Alias a dit aussi. Tu me diras qu'on est peut-être pas si éloigné que ça en âge avec elle. De son côté, Wedge ou. Alors, j'ai bien écouté et je pense que je vais prendre l'homme qui vole. Voilà. Donc, plutôt un truc sur le mouvement. Ouais, plutôt un truc sur le mouvement, ouais. Ok. Ça, c'est vas-y, déjà. Et tu t'expliques, est-ce que t'as des ailes, est-ce que tu voles par la force de la pensée, voilà, enfin tu peux essayer de définir un peu quoi. Est-ce que tu voles complètement ou est-ce que tu ne fais que l'éviter? Ouais, c'est ça. Je pense que tu vas pas faire que l'éviter parce que sinon ça va tu vas être très vite limité. Hein. C'est clair. C'est pas par la force de la pensée, hein, c'est... En effet, vous avez donc Tlon et Monsieur... Et Monsieur Alias, vous avez le même âge, hein, au vu de ce qui vient d'être marqué sur le chat. Toutes mes condoléances à Alias. Je dirais même que Tlon, t'as un an de plus, mais voilà. C'est bien ce qui me semblait, je crois que je le bats de peu, mais... Est-ce que c'est vraiment une victoire dans ce sens-là, je ne sais pas. On va dire qu'au comptage de cheveux gris, je le bats. Pas d'idée, parce qu'en fait, par la force de la pensée, c'est plus par l'envie, enfin, c'est plus... C'est... En plus, vu que mon pouvoir est venu comme ça... C'est soit l'envie, soit le besoin, hein. Bon, c'est une chanson dégueu, quoi. Oui, voilà. Non, mais j'imagine bien le petit gars qui, d'un seul coup, se réveille le jour, et alors qu'il est à peu près à 2 mètres de son lit, en l'air, la tête quasiment près du plafond. C'est ça, hein, c'est exactement ça. Hein. Donc, il y a tonton Alias qui dit que t'as la victoire que... on a les victoires qu'on l'on peut. Ah. je ne relève même pas. Ma grande sagesse fait que je ne relève même pas, mais que tu vas là pour attendre. Bon. Donc, en gros, ouais, une petite description du pouvoir ou un nom au pouvoir dans pouvoir et puis après mouvement. Enfin, pour ça, si tu veux, tu peux mettre vol par la pensée, hein, ça suffit. Hein, Si tu veux. C'est plutôt vol à la Superman en fait. Et... Ouais, bah et c'est je ça. Sais pas si c'est par la pensée qu'il le fait. C'est... Bah, voilà. Le truc, c'est que Superman, de toute façon, il est cheaté, donc je veux dire, il y a un moment, tu le fais comme tu le sens. Ouais. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire voler les choses, y compris toi.
voilà, tu peux aussi le faire à la comment s'appelle à l'Aero Academia, à savoir ce que tu touches, bah ça tu perds la gravité. je m'en perds trop. Ouais, ça aussi c'est sympa, ça aussi c'est vrai que c'est sympa. C'est un pouvoir qui agit sur la gravité et non sur le truc. Voilà. Je te dis pas, tu touches un mec, tu lui fais perdre la gravité, je te signale que la planète se déplace quand même jusque c'est quoi 40 000 km sur 24 heures, un truc comme ça, donc ça va faire tout drôle, le monsieur. Donc les clés de pouvoir. Les clés de pouvoir, en gros, on peut définir ça comme les compétences. On va définir ça au début comme les compétences en fait qui permettent d'utiliser vos pouvoirs. C'est-à-dire comment vous avez utilisé vos pouvoirs. Et c'est ce qui vous permet de le faire. Ces clés en fait peuvent être répondre à plusieurs questions de façon dont vous avez utilisé les pouvoirs. Il y a des exemples de questions qui ont été mis, mais en gros, c'est la façon dont vous les avez utilisées pour pouvoir. Et je vous conseille de couvrir un maximum d'utilisation avec les clés. Vu que c'est les compétences que vous avez utilisées le plus du jeu. Clairement. Donc par exemple, est-ce que votre pouvoir permet de convaincre d'autres personnes de faire ce qu'il veut? Est-ce que votre pouvoir permet d'agir à distance ou sur quelque chose que vous ne voyez pas? Est-ce que votre pouvoir agit sur quelque chose que vous voyez mais que vous ne pouvez pas toucher? Est-ce que votre pouvoir peut réagir instantanément à une menace? Est-ce que votre pouvoir peut se déclencher à un moment ou juste à l'instant? Est-ce que votre pouvoir permet de jeter des projectiles, agir sur la température, détruire quelque chose, faire un truc dans quelque chose, réparer quelque chose, soigner un animal, déplacer quelque chose, séduire quelqu'un d'a priori hostile, accomplir un des 12 travaux d'Hercule, se rendre à l'heure au travail, à l'heure un travail écrit sur un sujet abominablement barbant, se protéger ou protéger quelque chose, façonner quelque chose, fabriquer des outils, modifier quelque chose sans le toucher, arriver en classe, obtenir une avancement cruciale, agir sur lui-même, empêcher une intoxication, franchir un ou plusieurs obstacles. Et je vais m'arrêter là parce qu'il n'y en a pas d'autres et je me suis bien amusé à tout lire. Et grosso modo, ce jeu te permet d'obtenir une compétence qui est diction et qui te permet de pouvoir parler rapidement. Bon, bref. Voilà, donc... Chrome aurait plus d'avantages à prendre orthographe. Hein. Elle va mourir. je vais vous donner un exemple. C'est vrai que si tonton Alias dit... Attends, je vais donner un exemple de pouvoir. Ça, c'est vrai que c'est plus parlant. Par exemple, je vais prendre un pouvoir de type... on va parler sur du... je regarde ici. Tout simplement, énergie, boule de feu. Hein. Boule de feu, ça explose au premier obstacle sur la trajectoire. Deuxième clé, il y a trois clés à trouver. Hein. Deuxième clé, l'affinité au feu. Mais uniquement au feu naturel, pas à la chaleur humaine, ni aux sources de chaleur magique, généralement, plus généralement d'origine naturelle. Autre possibilité, immunité au feu, peut cueillir des brochettes sur un grill avec les mains, mais ne peut pas pêcher des frites dans l'huile bouillante. Voilà, c'est un exemple. Et après ça, de toute façon, il va falloir choisir aussi quelque chose qui a complètement loupé la première fois, c'est-à-dire un trouble lié au pouvoir. Par exemple, là, on a sensible au froid, frileux, vraiment frileux, et sans rhume dès qu'il s'éloigne de son écharpe de laine, qui a +1 contre les rhumes. Mais voilà. En gros, il faut trouver des différentes une utilisation possible. Voilà. Alors, grosso modo, si je prends mon truc, psychomètre, pouvoir d'utiliser les objets ou reliques comme son illustre prédécesseur. Nature sensorielle et psychique, je mets une première clé qui est manuelle, je dois forcément toucher l'objet pour pouvoir m'en servir. Non, c'est pas des conditions que tu mets, c'est de la façon dont tu l'utilises. Ah, En gros, c'est la capacité de l'utiliser. Après cette capacité, tu peux lui mettre des conditions. Tu lui mets des conditions. Et là, par exemple, ça va être, par exemple, je suis capable d'utiliser l'objet, comme tu dis, l'objet comme son ancien propriétaire. Ça va être la première truc. Tu veux dire, copie parfaite, par exemple, le nom de l'utilisation, qui est le nom de la clé, en fait. Et c'est ça. Et derrière, tu peux rajouter une condition, si t'as envie. D'accord. Voilà. Et il faut trouver trois utilisations possibles de ton pouvoir, des déviations, en fait. Ok. Et j'ai déjà le trouble. Le trouble, ça va être marron. Mais... Oh, il me dit, il y a un exemple page 16. Page 16 ? Ah bah oui, bah c'est là où je suis. Ouais, l'exemple surhumain. Autre exemple, ouais, je vais prendre surhumain, dispose d'une force herculéenne qui permet de plier de plier en deux les berlines mal garées et les poutrelles en acier récalcitrant.
plus la première capacité super costaud, le héros peut soulever, plier, démolir des objets de l'ordre d'une tonne sans trop se fatiguer. La deuxième passivité, tout casser, jutsu. En combat rapproché, les coups du héros sont particulièrement dévastateurs. Autre capacité, le lancer de camion. Le héros peut également jeter des objets très lourds à une distance respectable. Le trouble, gros doigt, le héros a tendance à oublier, a tendance à démolir les portes qu'il veut ouvrir et à casser les murs par inadvertance. Et je vous parle même pas quand il essaie de tirer la chasse. Enfin, quand il tire la chasse. Voilà. Ok. Alors, ça, c'est le premier. Deuxième, comment je vais faire ça? Alors, je vais déjà noter ça. Et oui, comme il dit, par définition, les troubles, ça n'aide pas. Forcément. Ça n'aide pas, mais c'est fun. En train de voir, moi, je... Alors ça, c'est la dernière case, c'est le trouble. Ok, donc ça, c'est le deuxième. On va même faire ça comme ça, parce que... Tac. Merde. Mm-hmm. Alors, le troisième, ça risque d'être un poil plus compliqué. Mais... De côté... Lily, Karu, Renan, c'est bon, vous avez des idées, vous avez besoin d'aide? Ouais, moi j'ai boule de feu qui explose au contact. Voilà, ouais. Classique, hein. Après j'ai dirigé... Attends, boule de feu qui explose au contact, c'est un projectile ou ça explose quand t'es au contact? Non, c'est un projectile. Ok, voilà. N'hésite pas à le mettre, un projectile, dans ta description. Voilà, après j'ai dirigé le feu, donc je peux le calmer ou l'intensifier, un feu naturel qui existe. Uh-huh. Que ce soit un briquet, une torche, voilà, un feu de forêt. Ok. Et après je peux rayonner de la chaleur, donc je peux servir de chauffage. Ok. Voilà, et je n'aime pas l'eau. Ok. Donc dans les clés, il y en a une qui est à plus 2, celle que vous maîtrisez le mieux, et deux qui sont à plus 1. Et le dernier, bien sûr, le trouble est à moins 1. C'est vous qui choisissez, pareil, qu'est-ce qu'il y a à plus 1, qu'est-ce qu'il y a à plus 2, et qu'est-ce qu'il y a... Et bah, pour ce qu'il y a à moins 1, c'est forcément le trouble, de toute façon. Oh bah, c'est facile, hein. Oh putain, ça va être facile. Ça, c'est facile. Ouais, ça va être facile, là. J'ai pas dit que ça serait dur, hein. Alors, moi, en fait, le truc, c'est que là, en fait, t'es d'accord, on met trois trucs qu'on sait faire, et un trouble qui entre guillemets, produit notre pouvoir, c'est ça? Bah en fait qui est un trouble à ton pouvoir, en fait quelque chose qui s'est mal passé quand t'as utilisé ton pouvoir, quelque chose qui merde sévère dans ton pouvoir en fait, qui est un problème. Ah ok, ouais, je pense que tu vas apprécier. J'ai une idée à la con. Bah vas-y hein. T'es pas obligé de le préciser. Alors le donc... Le mec qui vole et qui met qu'à le vertige. Attends. Ça me va. Ah, en gros t'es pas capable de dépasser une certaine altitude parce que t'as le vertige quoi. À savoir, à savoir la hauteur d'une chaise, quoi. C'est ça? Plus les 2 mètres. Ça me va. Bon, c'est plus marrant ici. Ouais, c'est vrai, mais... J'ai pas je vole, mais à hauteur du sol. Bon, monsieur Chrome, j'ai vas-y. Des trucs. Vas-y, alors, vas-y. J'ai un copycat à plus 2. Je sais utiliser l'objet avec le même talent que son illustre prédécesseur. Mm-hmm. J'ai médium à plus 1. Je ressens les événements intenses liés à la relique. Ok. J'ai radar à plus 1. Je repère facilement une relique proche de moi. Mm-hmm. Et j'ai shining à moins 1. Je me laisse parfois submerger par la personnalité de l'illustre prédécesseur. Ok, rad drum. Why not? Après, le problème du radar, c'est que je repère facilement une relique proche de moi. Bon, et c'est très vague, mais bon, ça va, ça passera de toute façon. Oui, mais bon, de toute façon, ça veut pas dire qu'il y en aura forcément, hein, mais... Non, mais c'est pas ça, c'est que dans une école qui va être remplie de reliques. Ouais, c'est... T'en auras toujours des reliques près de toi, mais c'est bien, non, ça va marcher, de toute façon. Ça va biper. Ouais. J'aime beaucoup ce que dit le... Ça sent le cramer.
J'aime bien. Ok. Donc, côté... comment s'appelle le... Renan, tu me l'as fait en entier. Je sais pas si tu m'as dit le moins 1. C'était Nempalo, mais je sais pas si tu l'avais dit. Bah en fait, quand si je suis immergé complètement, mon pouvoir marche très très mal. Ok. Bah, genre pas du tout. Précise-le peut-être dans ta description que c'est quand t'es immergé complètement. Moi je dirais c'est quand t'es en contact avec... peut-être pas complètement, parce que complètement pour le coup c'est vraiment... C'est... Quand t'as les pieds dans l'eau, ça va pas. T'es en contact de l'eau quoi. Ouais, mais ce que je veux dire c'est que pour moi, la pluie va pas forcément être trop problématique. Bah justement, en fait, le truc, c'est pas trop un trouble à ce moment-là. Faut que ce soit c'est ça le problème, c'est qu'il faut que ça soit quand même un handicap. Il y a peu de chances que tu te retrouves juste complètement immergé, quoi. Ouais, alors si c'est de la pluie, c'est que c'est un déluge. Non, mais je veux dire, par exemple, je peux avoir un kawaii, ouais. Tu vois, donc la pluie, je l'emmerde. Tu vois oui, mais à ce moment-là, t'as ton kawaii. Et à ce moment-là, bah oui. Tu mets que quand t'es au contact de l'eau, au contact physique avec l'eau, voilà. Ah putain, tu moi, ça me dérange pas que en tu te fait. Déplaces en kawaii pour limiter des trucs, mais c'est juste que au moins que ça soit que dans certaines conditions ça soit vraiment handicapant quoi. Que ce soit pas juste quand on te jette dans la rivière. Ouais, ça peut être dangereux. Genre quand même, tu vois, moi je vole, mais je vole pas à plus de 2 mètres de haut quoi, donc. Moi je dirais 1m40 parce que c'est la taille pour les enfants pour aller dans les attractions. C'est tellement bien. Vas-y, je la mets. Je préviens, je fais du rasmod quoi. Mais j'allais dire. Toi, c'est quoi les pouvoirs? Alors j'ai mis toucher. Par exemple, je touche un objet ou autre, je peux annuler sa gravité. Ok. Ça te va? Ouais. J'ai mis un truc qui s'appelle nul. Ça veut dire que j'annule ma propre gravité et que en gros c'est que la mienne. Et direction, donc je sais me diriger ma gravité en fait, d'où mon vol en fait. Donc c'est la direction qui est favorisée. Okay. Et les deux autres sont, voilà. Ok. Tu précises la vitesse peut-être ou pas du tout? La direction, la vitesse, oh ouais, je peux. Un petit 30 km/h. C'est toi qui vois, je te. Bah tu me le marques comme ça. Si t'es pas obligé, hein. Je m'en fous. Ma remarque, après, ça dépend de la. Après, mon. Je veux dire, si t'as la gravité qui est annulée, ça va être rigolo pour t'arrêter. Mais. Oui, c'est ça. Mais je. En fait, je la contrôle, cette gravité. Je peux. Oui. Je peux la restituer. Par pourcentage. Voilà, en plus. Vas-y. Alors, c'est pas annul, ça va être plutôt contrôle, en fait, que je vais mettre. Vas-y. Donc, donc, ouais, moins un. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que... Ouais. Le kawaii à fond. Il a tout le temps soif et il ne peut se désaltérer qu'avec de l'alcool. Trouble alcoolique. Oui, c'est à peu près ça. C'est ce que j'allais dire. En fait, il boit jamais, en fait. Il a une flasque sur lui. De gin, de si, trucs. Il met du sirop. C'est plus de l'eau, c'est du sirop. Voilà. Ok, c'est bon pour tout le monde. Alors, juste à titre d'info, vous pouvez, si vous voulez, vous rajouter des pouvoirs, en plus de ça, d'autres avec d'autres natures, etc. Mais vous pourrez vous mettre à ce moment-là que, en fait, un trouble. Ouais. Avec le pouvoir. Pas vous mettre d'autres compétences, donc un trouble à moins 1. Ça permet en fait d'avoir des pouvoirs, de potentiellement les utiliser, mais avec des malus, quoi. Il peut être des fois intéressant pour avoir soit. Ça sent le piège quand même, hein. Ah oui, complètement. Mais c'est rigolo. Voilà, donc ça c'est juste pour vous dire, si des fois il y a une autre idée de pouvoir qui vous vient, que vous voulez rajouter à votre coup perso, vous pouvez, mais la première clé que vous allez mettre, ça sera forcément un trouble. Du coup, par rapport à mon vrai trouble qui est sexe égale destruction, et mon premier pouvoir qui lance des boules de feu, bon. Oui, donc j'aimerais pas être ma partenaire, quoi, mais. Clairement. Dans tous les cas, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Donc bah, technique. Oui. Techniquement, on passe sur le donc les trois jaules ou appelés les skills. Squills. Ouais, j'ai y arrivé. qui sont donc trois jauges, la renommée, le crédit et le terrain. Le crédit et le terrain de base sont à 0 pour vous. Leur valeur naturelle est de 0 alors que la valeur de renommée est à 1 au naturel. 1 correspond au fait que vous êtes arrivé à entrer dans l'université. Si
Donc en gros, ça vous fait un jeton, normalement, que je vous donne techniquement un jeton. Bon, bah sur la carte du truc, il y a assez de jetons pour vous démerder, mais c'est un jeton que vous pouvez utiliser pendant les certaines séquences. Ce jeton, bah, c'est votre jeton de renommée, à savoir que si vous l'utilisez, bah, vous le récupérez pas tout de suite. Il y a des façons de le récupérer. De mon côté, je prends deux jetons aussi de Squills par joueur. Moi, à savoir, donc là, pour le coup, 6. Je peux les utiliser comme bon me semble, pour le coup. Soit pour vous aider, soit pour aider les choses qui vont vous arriver dans la gueule, soit pour augmenter les effets et tout. Voilà, c'est moi, je décide ce que je fais, ce que je veux, si je vous plombe ou pas. Si je vous aide ou pas, ou si c'est plus rigolo d'un truc. Enfin, voilà, j'en fais ce que je veux. Ouais, mais là, on va tomber dans le déterminisme. Mais est-ce que tu es réellement libre de ce que tu veux faire, notamment au jeu de rôle? Alors, on passe à la suite. C'est Spinoza, ça. Donc... Je suis pas sûr qu'il parlait jeu de rôle, Spinoza. Mais... c'est pas ça. Et bah, j'ai la joie. Donc, bon, la suite. Donc, le dernier préposé regarde vos dossiers d'un air à la fois là et soupçonneux, comme s'il suspectait une fraude. Puis il entre, à une vitesse supersonique, une quantité impressionnante d'informations dans le petit ordinateur portable hors d'âge qui trône devant lui. Et il ponctue la... Oui. Je vérifie ce qu'il y a des bruitages. Avant d'écrire. Et il ponctue la saisie par un violent impact sur la touche entrée que je ne ferai pas parce que je ne sais pas où j'ai écrit mon bourrinage de clavier. Donc, une vieille imprimante à aiguille posée sous la table crachote des crissements suraigus. Le préposé récupère la feuille et l'ébarbe méticuleusement les marches perforées et vous l'attend avec un soupir. Il ajoute que vous êtes en retard, mais ça, vous le savez déjà. Oui. Que vous découvrez avec horreur, c'est que vous avez à peine 15 minutes pour rejoindre votre chambre qui vous a été assignée. Celle-ci est de l'autre côté du campus et une fois que vous aurez déposé vos bagages là-bas, vous devrez revenir ici pour la séance de présentation. À vos marques, prêt, partez. Là pour le coup, c'est le groupe, vous me lancez 2d6. Il y en a un qui me lance le 2d6. Allez. Vas-y, Obi, lance 2d6. Voilà. Ok, ça a été fait. 6. Ok. C'est pour le dortoir. Donc le dortoir, vous récupérez donc des chambres à deux lits de 9 mètres carrés qui n'ont pas été rénovées depuis le 20e siècle, avec les sanitaires à l'étage, un dortoir tout en somme plutôt classique. Bah c'est simple, Hikaru et Renan, vous êtes dans la même chambre, et dans la chambre à côté, c'est Lily et sûrement une colocataire qui a laissé ses affaires. Et en tous les cas, vous êtes a priori les trois en première année, et vous vous rencontrez la première fois en fait en amenant vos bagages au dortoir. Donc je vous laisse, si vous voulez, à la fois parler entre vous, découvrir, faire du RP quoi. D'accord. Ah déjà, ça va être plus simple entre Ronan et Karou. Comment on est dans la même chambre. Donc, je me présente, enchanté, ou Chido. Ah tiens, tu parles français. Non, mais c'est qu'on s'entend pas, quoi. Ça le laisse sans voix, apparemment. Enchanté, monsieur Ronan. D'accord. Charbonnier. Enchanté. Dites les garçons, c'est à vous le sac qui flotte dans le couloir là. Ah oui, désolé. Je le ramène. Tu es un peu de temps l'air, c'est ça? Non. Juste que j'avais d'abord ce sac là à poser, ensuite celui-là. C'est ton truc de faire flotter les sacs? La session de présentation va bientôt commencer. Tous les élèves de première année doivent se rendre à l'amphithéâtre A. Que vous écoutez, à l'autre côté du campus. Bon, on doit y aller. Ouais, bah je rangerai mes affaires plus tard. Je mets tout sur le lit et puis... Et vous savez où c'est? Pas trop. Ouais, parce que moi aussi je me paume dans ces machins...
Donc sans surprise, vous êtes de nouveau en retard. Vous entrez dans le grand amphithéâtre, ces travées LED aménagées à la fin du 19e siècle, avec des bancs et des pupitres en bois d'un seul tenant. C'est déjà blindé. Vous cherchez des yeux une place libre. Miracle, juste au premier rang, il y a 3 places libres. Ça sent le piège, mais on y va quand même. It's a trap. Voilà. Moi, je serais d'avis de mettre Renan entre nous deux, ça risque d'être rigolo. À peine vous vous installez, vous posez vos fesses, qu'on vous interpelle bruyamment. Hé, les bouffons, c'est nos places, alors cassez-vous d'ici. Trois personnes arrivent vers vous, un trio d'individus patibulaires et visiblement mal embouchés s'approchent. Clairement, ça a l'air des étudiants redoublants. Donc je vous fais un petit topo des trois que vous avez face à vous. Le premier, une armoire à glace de 2 mètres, taillée en V, avec des fringues tout droit sorties de l'outback australien façon post-apo. Okay. Deuxième, un grand brun, tout mince, avec les cheveux longs, en pâte def, en gilet baba. Des chiens qui s'est échappé des 70. Et qui vous regarde en disant « Qui va à la chasse, sa place ?» Et la dernière, une beauté japonaise sombre, littéralement peau, cheveux, yeux, tenue noire, dont le costume arbore des motifs planétaires. Bah, c'est bon, et il y a sa sœur qui est venue, l'autre japonais. Elle tient un grand bâton clouté, elle utilise un grand bâton clouté à la main. Un Tetsubo, quoi. Clairement, on va passer sur la thèse du système. À savoir qu'on va parler donc de l'adversité, à savoir le panneau que je vous ai mis dans le jeu, là, avec les différents jetons. Tu peux pas faire boule de feu dans leur tranche, ces trois-là, là. Tu peux, mais ça... Alors, tu fais ce que tu veux, hein. Ça fait des ordres, et c'est un peu en bois partout. Mais tu fais ce que tu veux. Si tu voulais pas te faire remarquer... Dans tous les cas, ici, on va essayer de se familiariser donc avec ce qu'on appelle l'adversité. Donc, je vous explique deux choses. La première, c'est que à chaque fois qu'il y a un événement qui nécessite d'avoir une opposition, ça peut être autant une opposition d'un combat, autant une opposition d'un dialogue, etc. Et que on ne peut pas le résoudre, on va dire, de façon narrative, en parlant ou autre. On va faire en fait ce qu'on appelle, on va mettre le tableau de l'adversité, le plateau de l'adversité, et je vais vous définir une adversité avec 3 chiffres, à savoir. Je vais vous le marquer, là, l'adversité exactement ici, c'est, tac, je le marque sur le chat en même temps, c'est D4, C7, R2. Alors, c'est-à-dire, D4, c'est-à-dire de difficulté 4. 7, c'est le contrat. R2, c'est le nombre de tours, qu'on a pour finir le truc. Ouais tu vas pas me la faire longtemps, hein. C'est des références de droïdes Astromech Star Wars, ça. Hein. Oh. Oh mon bon, Dieu. Bref, reprends ton explication. Garde ton calme, Chrome. Oh, ça va, ça va. Donc, je place les jetons dans le tableau pour vous montrer. Il faut que j'affiche le tableau, peut-être. La difficulté 4, c'est en fait c'est ce que vous allez devoir battre avec les actions que vous allez donner. C'est le cap de difficulté à atteindre. 7, je vais le résumer par c'est les points de vie à défoncer. Vous avez 2 tours pour réduire le contrat à 0 pour réussir l'affrontement. Ok. Donc R, comme je dis, c'est 2 tours. Dans un tour, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous dites ce que vous faites en fait pendant le tour. Ce que vous faites comme action. Sachant que si vous utilisez par exemple un pouvoir, vous avez ajouté, si c'est une clé de pouvoir en fait que vous avez utilisé, le numéro de la clé de pouvoir dans votre plateau. C'est-à-dire si vous utilisez votre clé de pouvoir qui a plus 2, vous mettez plus 2 à l'intérieur. Ok. D'accord. Le but en fait, c'est que une fois que vos 3 actions seront dites et qu'on aura, c'est que votre plateau à vous soit plus haut que le plateau à droite pour réussir l'affrontement.
Après, on va calculer en fait un. Si vous réussissez l'affrontement, vous allez avoir ce qu'on appelle un budget en gigawatts. Et ce budget en gigawatts, vous allez pouvoir le dépenser pour, par exemple, réduire le contrat. À savoir donc, pour simplifier les points de vie, mais bon, on va rester sur le contrat. Si je résume, grosso modo, on va d'abord faire le truc avec les jetons, et une fois qu'on l'aura fait, en fonction de si on l'emporte ou pas, on va dire ce qui se passe. Alors, c'est pas tant qu'on va dire ce qui se passe que tu vas choisir d'abord techniquement ce qui se passe, et après tu peux, si tu veux, en même temps l'argumenter, le poser en description. Mais de toute façon, vos actions vont parler pour elles-mêmes, en soi. Okay, donc... En gros, je résume, vous avez trois bullies qui viennent vous emmerder pour prendre vos places au premier rang. Ce sont des redoublants, ils ont l'air bien échaudés. Et je vais vous demander ce que vous faites. Ce que vous pouvez faire en termes normalement de base, c'est utiliser un pouvoir ou une compétence. Ce qui est dans le journal est lié au flashback. Le flashback, vous en avez le droit qu'à un seul par scénario. Mais on y reviendra après sur le flashback, ou peut-être pas, parce qu'on joue pour le moment pour découvrir au fur et à mesure. Donc pour le moment, en gros, c'est me décrire l'action que vous faites face à ça. Vous pouvez utiliser soit vos pouvoirs, vous pouvez utiliser vos compétences. Proposer autre chose, je sais pas. Mais moi, j'aimerais bien utiliser mon érudition pour leur dire que le premier rang est dédié aux premières années, en fait. Ok, sachant que c'est que des premières années en amphi, mais en gros, tu commences à leur bouger. Mais comme que, eux, voilà, c'est des redoublants, ils peuvent aller derrière, ils l'ont déjà vu, en fait. Ok. Ok, tu commences à leur expliquer, à leur embrouiller la tête sur ça. Ok, tu me regardes, t'as combien en érudition? 2, c'est ça? 2, ouais. Plus 2? Ouais, donc tu mets 2 jetons. Dans le truc qui est à votre pour vous. Voilà. Ok. Moi je suis. Ouais, vas-y Icarou. Attends, Icarou. Moi en fait je me plus à si vraiment ils insistent et compagnie à prendre le plus costaud des celui qui a l'air plus dangereux. Qui a l'air donc, vraiment en gros, plus et dangereux. Tu dis qu'ils insistent et ouais, il y en a un qui a l'air pour toi le plus dangereux et le plus costaud, je suppose l'armure à glace. Ouais, c'est ton côté kamikaze japonais, ça. Ouais, c'est ça. Ben, je le touche. Et j'annule sa grâce. Ok. Ah, carrément. Et tu mets le... Donc c'est... Et tu veux pas annuler la gravité du contact, là, du contrat? Non, ça peut pas marcher, là. Non, c'est mort. Donc c'est un pouvoir. Ça, c'est les jetons verts. Non, en fait, c'est chacun de nos pouvoirs. Je m'en fous, en fait, pour le coup, mais ouais. Ok. C'est plus simple. Ok. Chacun nos jetons, en fait. Lily. Alors, Lily, elle va utiliser son investigation à deux pour essayer de déterminer qui est le leader des trois. Genre celui qui, si on le bat, fait que les autres vont jeter l'éponge rapidement. Donc, répète-moi parce que j'ai pas tout compris. Alors, j'essaie de deviner qui est le leader des trois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui est le meneur de bande, quoi. Celui qu'il faudrait mettre à terre pour que les autres lâchent prise. Et pour ça, j'utiliserai l'investigation. En gros, ton action est d'essayer de deviner. Oui, c'est à peu près ça. Non, ton action est tu as deviné, maintenant tu vas pourrir la tronche du chef. C'est à peu près ça, mais déjà... Non, parce que tu peux très bien dire, en termes d'action, avec mon... En gros, ton investigation, en fait, t'essaies de trouver... Tu détermines que le chef, c'est un tel. Voilà. T'as le droit. Hein. Mon action, c'est de déterminer qui est le leader pour lui donner une répartie cinglante. Et voilà. Ok. Alors, pour le moment, pour l'instant, on mène 5 à 4. Expliquer ce qui se passe technique. Alors, je vous ai fait leur action avant vous. Leurs actions étant de vous menacer et de vous dire de dégager. Là, pour le coup, donc, vous êtes 5 contre 4. Maintenant, je vais calculer ce qu'on appelle le budget en gigawatts. Donc, vous gagnez l'affrontement. Donc, vous allez avoir un budget en gigawatts. A savoir, vous gagnez d'abord de base 1 gigawatt pour le fait d'avoir gagné l'affrontement. Plus 1 par point de pouvoir utilisé, par pouvoir utilisé. Donc ça nous fait 2 en fait, vu qu'il n'y a que Icarou qui l'a utilisé. Avec des gigawatts, vous pouvez choisir de faire baisser le contrat, faire une action simple gratuite,
récupérer des squills dépensés. Sachant que les squills dépensés, c'est ce que je vous ai donné au début, les jetons là, vous pouvez les dépenser pour augmenter votre plateau. Voilà, on va pas faire encore. Il faut que ça soit que le squill en question soit raccord avec l'action. Vous, par exemple, là, si vous mettez c'est un squill de renommée, ça passe très bien. Vous êtes devant du monde. En gros, vous prenez des risques sur votre renommée, quoi. Pas de souci. Ou récupérer des blessures dans les squills, par exemple. C'est vrai, tu pourrais. Et là, en fait, au terme de cet affrontement, vous avez 2 gigawatts et en groupe, vous devez choisir ce que vous en faites. Eh ben, on descend au contrat. Qu'est-ce que vous pensez? On investit pour. On descend, ou on peut aussi votre contrat, ou choix, là. Sympa, comme t'as ça, pas de ça points à récupérer, t'as pas d'action simple à faire. Ouais, non, ouais. T'as pas de points à récupérer, ni de blessures à récupérer, donc tu descends le contrat. Donc il reste 5 points au contrat. Je vous rajoute, en termes de règles, pour rajouter... Donc là, en fait, on recline le plateau. Pour le tour suivant. Il reste un tour, c'est le dernier tour. Il en reste 5 points. Hop, on clean. Recliner. Okay. Vous pouvez aussi choisir de prendre des risques, c'est-à-dire que votre action soit risquée pour vous, que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes physiques, que ce soit en termes de crédibilité pour votre école, etc. Et en gros, prendre des risques, ça vous rajoute un dé. Vous pouvez prendre un dé, un dé 6, et s'il est pair, vous rajoutez un jeton de votre côté. S'il est impair, c'est un jeton de l'autre côté. Mais ça fait que vous gagnez, à la fin, vous gagnerez 1 gigawatt de plus. Là, clairement, vous devez, techniquement, vous devez réussir à monter au moins à 5 gigawatts pour gagner l'affrontement. Donc, je reprends la narration. Ok, vous les avez un peu intimidés, t'en as un qui a perdu un peu de gravité, donc il perd un peu l'équilibre. Mais justement, qu'est-ce qu'ils font Ils utilisent leur pouvoir aussi. Donc, c'est simple. D'abord, l'armoire à glace, elle commence déjà en... par gentiment vous insulter et surtout se mettre en position de combat, s'énerver un bon coup et exploser son vêtement, laissant apparaître un certain nombre de cicatrices sur le ventre une bonne intimidation des familles, quoi. Ça doit coûter cher en garde-robe. Attends. Cicatrices, ouais. Ça forme pas la grande ours? Oh, ça forme sûrement une constellation. C'est un signe, c'était dans ta prophétie. C'est l'apocalypse. Voilà. C'est simple, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Quel autre? Parce qu'il y en a deux autres. C'est pas celui qui perd la gravité, hein. C'est celui que. Ouais. Donc c'est la japonaise. Il voit son pote. Non. Le grand brun avec ses cheveux longs et son pantalon d'elfe. Il invoque une armure de Super Sentai sur lui en lançant la phrase « L'habit ne fait pas le moine !» Il commence en faisant 2-3 galipettes en l'air et en sortant 2 sabres laser. Il fait des moulinets à 2 cm de votre visage. Et la dernière, avec qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge son bâton dans tous les sens. Il commence à avoir des cercles d'incantations qui s'affichent en l'air et au sol, et des bruits étranges et assez spongieux qui commencent à retentir au niveau de ces cercles. C'est très bizarre. Clairement, ils vous font une bonne grosse intimidation des familles. Ouais. Alors, par hasard, Ichiro, t'aurais pas un vieux katana japonais familial transmis de père en fils depuis des quelques générations sur toi? Non, par contre, je peux faire ça. Et donc, du coup, en fait, le truc, c'est que vu que le gros barraqué a perdu son équilibre, je lui donne un point dans le ventre. Enfin, il a perdu sa gravité. Je lui donne un coup de poing dans le ventre et je commence à l'expédier à l'autre bout de la salle. C'est compétence combat, ça. Ok, tu lui donnes un coup de poing dans le ventre pour l'expédier à l'autre bout de la salle. On est ok, si tu veux. Donc tu utilises ta compétence de combat, on est d'accord? C'est ça. Ok, donc tu me mets 2 points. Par contre, ça fera pas de bonus en gigawatt pour la résolution. Le bras. Ah oui, ouais, mais fais gaffe, t'as une chance sur deux de leur ajouter. Alors explique-moi en quoi ça va être risqué. Qu'est-ce qui est risqué dans ton action et qui fait qu'elle peut se retourner? Tu peux m'attraper, en fait.
Ah oui, c'est-à-dire qu'en gros, si tu prends le risque, en fait, quand tu fais ton attaque, qu'il t'attrape et qu'il se serve de toi comme airbag. Ouais, c'est ça. Ok, mais bah. Bon, tu me lances. Est-ce que ouais. Je prends le risque Bah, ça, si tu ça le prends vraiment... pas, tu risques. Si tu le prends pas, vous risquez de pas gagner l'adversaire, le combat, en fait. Hein. Ah oui, d'accord. Mais bon, bah, vas-y, je le fais. Donc, bah, donc, tu joues. Est-ce qu'il y a une commande. Alors, est-ce qu'il y a une commande spéciale, monsieur Obi, ou pas? Oui, pour compter les paires et tout, oui. Donc, ah, mais je l'ai pas écrit dans le table, donc c'est. Bon, bah, de toute façon, on lance un D6, c'est pas grave. Donc, un pair c'est bénéfique. Non, pair c'est bénéfique. Un pair, c'est... balance le dé. Balance ouais. Le dé, je. Un pair. C'est un impair. Ça fait que le contrat augmente d'un point, et à la fin, de toute façon, il y a un gigawatt de plus, parce qu'il y a un dé qui a été utilisé. Ah ouais. Ah bah oui, ouais. Hein. Bah oui. Bah j'ai pris okay. Le risque. Ah oui, mais ça fait partie de la... du truc. Ok. Alors moi, je vais utiliser mes origines. Comme je suis d'une longue tradition de... Alors, ça, si tu fais juste tes origines, tu fais un flashback. Le flashback, il n'y en a qu'un seul. C'est obligatoire, ça? Ouais, parce que c'est ce que je disais. Tu peux utiliser soit tes compétences, soit tes pouvoirs dans le truc. Si tu dis tes origines, en fait, c'est un flashback. Et le flashback, c'est une seule fois par scénario. Bon, je vais le faire quand même, hein. On n'est pas... Ouais, on n'est pas au pied. On est pas ok, au pied, donc on a le droit à un petit flou sur tes origines. Hein. Qu'est-ce qui est voilà. Important dans tes origines? Eh ben, le fait que je vienne d'une secte de sorciers qui a l'habitude de venir à cette école-là, là. Et du coup... Tu connais les incantations. Dire. Non, c'est pas ça. C'est... Enfin, à la limite, mais c'est surtout que... Que ma famille s'est toujours assis au premier rang. Oui, c'est pour faire après prévaloir ta supériorité. Oui. C'est ça, parce que en face c'est des bouseux. Moi je suis un vrai, tu vois. Moi je suis un traditionnaliste. Okay. Eux c'est de la merde, quoi. Tu vois. Ok. Donc je leur fais comprendre. Est-ce quoi. Que tu Ok. Est-ce que tu considères que ton action est risquée? Oui. Est-ce que la face. Ok. Donc pourquoi? Parce que du coup, on connaît mes origines, parce que j'en parle, forcément. Et donc, s'il y a des méchants dans la salle, eh ben, ils peuvent entendre ce que je dis. So, évidemment, je gueule, et donc du coup, s'il y a des méchants, ils peuvent... Okay. Alors, c'est pas immédiat. Les gens peuvent se foutre de ta gueule parce que tu te la pètes beaucoup trop. Aussi, ben, je sais pas si les conséquences sont immédiates ou si ça peut être plus à long terme, en fait. Bah, de toute façon, tu verras bien. Là, ok, bah, rajoute le bonus que te donne ton origine. Ouais... Sur le truc, et tu me lances pareil un dé. C'est un pair. Ouais, donc c'est un jeton de votre côté. Ouais, cool. Sachant que si vous. En gros, là, il n'y a pas de gigawatt en plus hein, sur ce truc là. Enfin, si, il y a le dé. Donc en gros, on est à 2 dés, donc ça fait. À la fin de l'affrontement, pour l'instant, vous êtes à plus 3 gigawatts au total. Si vous gagnez. Sachant qu'en cas d'égalité, c'est moi qui gagne. Hein. Ouais, évidemment. On t'emmerde. Voilà. Ben, je pense que moi, la meilleure tactique que j'ai à prendre, c'est faire aussi sur le flashback. Parce que je me vois mal non, tu veux un pas. Sabre laser tu peux pas. Ou arrêter... Un par scénario vrai, un par scénario. Ah putain, il vient d'être grillé. Tout le monde. Ah, alors, putain. C'est quoi ton plus 2 en compétence? Mon plus 2 en compétence, c'est investigation. Je te conseille... Attends. Je te conseille fortement d'utiliser tes pouvoirs, parce qu'à chaque fois qu'il y a un pouvoir qui est utilisé dans un affrontement, c'est plus 1 gigawatt à la fin. Et vous êtes à 3 sur 5. Alors dans ce cas-là, je vais essayer de choper un des sabres laser, parce que je me vois mal choper le bâton qui tourne comme un fou. À moins que... Vas-y, explique-moi ton action. Bah allez, si, tu peux essayer d'aller choper le bâton, t'as un risque de te le prendre dans la gueule, et du coup, tu... Voilà. Bah, tu me diras, oui, il vaut mieux essayer, parce que le sabre laser, il en a deux, il a l'air d'être combattant, alors que l'autre, elle invoque plus. Enfin, je vais essayer d'arrêter pour prendre le bâton à la japonaise. Alors là, c'est une mise en danger ouais. Claire, quoi, hein, parce que ça oui, va pas être facile. Oui, c'est une mise en danger, mais ça, pour le coup, c'est pas tu n'utilises pas tes pouvoirs. C'est juste tu chopes un bâton. Je chope un bâton, mais l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser après, justement. Donc, Oui, mais il n'y a pas d'après. Il n'y a pas d'après, bah oui. Donc, mais tu décris l'action jusqu'au bout en fait. Donc ton but c'est d'aller choper l'objet
pour utiliser ton pouvoir pour obtenir sa technique, en fait. Ouais, mais ça serait au tour suivant, a priori. Et donc, comme il n'y a pas de tour suivant... suivant. Ouais, mais c'est non, ça, mais tu t'en fous, tu t'en fous, il n'y a pas, c'est le, tu, y a pas de temps, en fait. Ok, donc mon but, en fait, c'est de choper son bâton pour un, arrêter son invocation, et deux, lui montrer que moi aussi, je peux utiliser le bâton. Acquérir ses capacités. Voilà, c'est okay. Ça. Ok, donc en gros, tu veux le faire, c'est tu le fais. Tu chopes son bâton, ouais, c'est ça, je chope pour son acquérir bâton ses capacités. Voilà. Ok, donc ça, c'est un pouvoir, acquérir ses capacités. Qui est à combien pour toi? Alors, c'est mon pouvoir de copycat qui est à plus 2. Ok, donc tu mets déjà 2 jetons dans le truc. Et comme t'as dit, le problème, c'est qu'elle fait un peu tournoyer dans tous les sens. Et donc que ça va être compliqué, que je mets en danger, que c'est un risque, et donc que je lance un D6. C'est ça. Et c'est un impair. Et donc, on met un jeton de l'autre côté. Ouais, n'a que moi qui suis imperméable, c'est ça? Ouais, mais on gagne du gigot, à priori. Oui, ça fait un fait 2 de plus, donc on passe à 4. Vous êtes à 7 contre 6, vous gagnez, et vous avez tout pile 5 gigawatts à dépenser. Ce qui tombe bien, parce que... Ah bah, on finit le contrat, on l'achève, on gagne. Voilà. Okay. Vous concluez le contrat. Clairement, entre le gars qui vole à l'autre bout de la pièce, le bâton qui a été volé, tu comprends, moi j'ai une stature, etc., il faut la respecter. En fait, ils vont partir et ils vont se mettre ailleurs. Ouais. Hein ? Voilà. Hein, c'est-à-dire, ils ont emmerdé les mauvaises personnes. Ouais, mais on fait une bonne équipe, en fait. C'est l'idée. Donc à ça, vous gagnez un badge... qui est Sol Survivor. Sol Survivor. Il y a quand même une référence à Zia, quand même. C'est assez énorme. Excusez-moi. C'est mon vieux truc de vieux con qui cause. Mais bon, ça ne m'étonne absolument vu que vous pas, avez pas, Alias. Vu que vous avez dépensé tout votre budget et que vous n'avez pas explosé le budget, c'est-à-dire que si vous aviez eu des gigawatts qui restaient à la fin... Et bah, vous aurez eu le droit aussi à un petit badge qui s'appelle Essuyer les plâtres pour avoir défoncé une partie de l'amphi d'une façon ou d'une autre. Ah bah, si j'avais utilisé ma boule de feu, ouais. Ouais. Ouais, donc le but en fait c'est d'avoir. Il faut vraiment que le contrat soit descendu à zéro ou moins pour éviter qu'il en reste quoi. Sinon. Pas forcément, parce que si t'as perdu des points. Si t'as par exemple le squeal que t'avais là, parce que t'as un squeal de renommée. Ouais. Tu peux l'utiliser à n'importe quel moment dans ce truc-là. Si tu l'utilises, à la fin, si tu as un gigawatt de plus, tu peux utiliser ce gigawatt pour récupérer ce que tu as perdu, ce que tu as dépensé. D'accord, ok. Du moins d'un point. En fait, c'est très tactique, ce truc. Il y a un côté tactique sur le truc, mais perdre n'est pas grave. Oui, ça, on va le voir un peu plus tard. Dans tous les cas, donc comme je disais, vous gagnez le badge Sol Survivor. Alors, à savoir que les badges, en fait, c'est comme le journal. Si vous faites ça vous donne plus 1 sur un comment ça s'appelle ? Sur un flashback. Flashback. Voilà. Et après, ils vous servent aussi de rappel d'événements que vous avez vécu et de gens que vous avez pu croiser en tant qu'alliés, en tant qu'ennemis, etc. À ça, vous rajoutez aussi un point de PEX, un point d'expérience. Plus 1. D'accord. Non, je suppose qu'on a un truc en PEX. Un onglet. Il y a une page de PEX dans le truc. Un onglet. Ouais, quoi ça. Onglet, bordel. Onglet. Oui. Pas une feuille. Donc, au moment de la conclusion de l'affrontement, où les héros devraient porter leur coup de grâce sur leurs adversaires, le silence se fait dans l'auditoire. La température chute de plusieurs degrés. Une présence forte et lourde se fait ressentir dans leur dos. C'est Voldemort. Dans votre dos. Pardon. Non, c'est Rogue. Ces signes indiquent l'entrée d'un héros impressionnant. Grand, la peau noire, les cheveux blancs et longs, relié par une queue de cheval élégante, un visage taillé à la serpe et un costume soigné et moderne, dont il tient le veston nonchalamment jeté par-dessus son épaule. Nonchalance et élégance sont les deux termes qui décrivent le mieux si on accepte le terme « pressionnance ». Mais c'est pas un vrai mot.
Il commence par darder de son regard les héros, leur vis-à-vis, avec un petit sourire en coin. Le silence est désormais complet. Bref, un bref raclement de gorge du nouvel arrivement résonne dans tout l'amphithéâtre et tout le monde regagne sa place. Les perdants ont le droit au strapontin, à savoir pas vous. Le rétroprojecteur s'allume et le logo de la FEA apparaît sur l'écran. Une femme d'un certain âge, l'air strict, portant une cravache sous le bras, annonce « Levez-vous pour accueillir notre directeur !» Et ce dernier commence son discours. Bon, allez. « Bonjour, chers élèves, bienvenue dans cette école. » Lance-t-il d'une voix assurée. Son charisme enferme immédiatement l'auditoire dans une quasi-transe hypnotique. Je serai bref. Vous avez beaucoup à faire au cours de cette journée et je suis pas là pour vous assommer dès le départ. Quelques rires ponctuent la boutade. Scipio, donc le directeur, poursuit. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer cette première journée de cours par une brève présentation de notre établissement, la FEA. Faculté d'études académiques des héros. Les héros sont des modèles à suivre pour les enfants et cristallisent les idéaux des plus grands. Les héros sont porteurs d'espoir de notre société moderne marquée par le marasme économique. Voilà la lourde tâche des héros, la lourde responsabilité des héros. Vous êtes ici pour devenir un de ces héros populaires. Cette lourde tâche vous sera confiée au terme d'un cursus de 3 années récompensé par un diplôme reconnu par l'État. Vous allez développer vos pouvoirs et apprendre à maîtriser votre image dans les médias. Afin de remplir ces objectifs, vous aurez accès à du matériel de pointe ainsi qu'aux meilleurs professeurs. Il est à noter que ces derniers exercent encore leur activité de super-héros. N'oubliez pas les efforts auxquels vous avez consenti pour intégrer notre école. Vous avez été trié sur le volet parmi des milliers de candidats. Nous vous garantissons le plein emploi en sortant d'ici, mais il s'agit d'un privilège qui se gagne. Vous allez devoir vous battre et donner le meilleur de vous-même. Sur ces mots, je vous laisse avec Madame Ducastel, votre professeur d'image de marque. Merci de votre attention. Lorsqu'il s'en va, la femme à la cravache, Madame Ducastel donc, prend sa place au centre de l'auditoire. Sa voix est sèche et clairement moins charismatique que celle du directeur, mais porteuse d'une autorité que personne ne saurait contredire. Notre méthode d'enseignement repose sur un principe capital, le trinôme. Pour les travaux pratiques, vous formerez des équipes de 3. Ces équipes resteront ainsi formées jusqu'à la fin de vos études. Choisissez vos partenaires avec soin. Par la suite, vous pouvez visiter les différentes facultés et bâtiments du campus. Familiarisez-vous avec les cours de la FEA, avec les cours que la FEA dispense. Elle perd beaucoup en autorité d'un coup. Ah ouais, non, mais c'est une horreur pour moi. Avant qu'elle ne sorte, elle se met vers vous. Et clairement, elle a remarqué ce que vous avez fait, bah elle vous sermonne. Hein. Et clairement, elle vous regarde. C'est vous avez été particulièrement parent et vous avez intérêt. Si vous avez été spectaculaire, ouais. Donc. Elle vous fait la leçon. Elle vous dit que clairement, elle se tourne vers vous, mais vous êtes beaucoup trop sûr de vous. Vous êtes beaucoup trop sûr de vous et clairement, elle regarde comment vous êtes habillé. Elle vous passe au crible. Alors je sais pas comment vous m'avez pas fait de description de vos habits, mais clairement, ça lui va. Ça a pas l'air de lui aller. Elle critique vos goûts vestimentaires. Ah bah c'est trop grand pour elle, quoi. D'être, votre marque de téléphone. Clairement, pas à des héros, mais à une horreur sur pattes. Hein. C'est un peu vrai pour moi, hein, mais bon. Et en plus, vous sentez le cramer. Pas moi. Quoi, je me suis encore fait cramer. Mais toi, tu te rends pas compte de ton odeur. Oui, bah. Donc,
Vous sortez de l'amphithéâtre comme en transe. Les mots de Scipio et les avertissements de Madame Ducastel sont gravés dans votre mémoire. Retour aux tables, où il est temps de former les équipes. Bon, dans votre cas, c'est assez simple. Vous êtes encore en retard. Et vous êtes les derniers à ne pas avoir eu d'équipe. Vous organisez comment ? Bah, on se met ensemble, forcément. On se met en équipe. Bon, on s'est bien débrouillé, là, dans l'amphithéâtre, quand même. C'était sympa. Ouais. Dans tous les cas, donc, ça fait que normalement vous avez dans votre feuille de personnage un onglet équipe, team. Il n'y a pas de nom pour le moment, mais ça sera cool de mettre un nom d'équipe. Et vous avez de base normalement deux choses. Un trouble qui est par hasard à moins 1, et un avantage d'équipe qui est tous ensemble à 0, qui permet de dépasser 3 actions pour une. Comment ça s'appelle ? Pour une adversité. Mais N est le nombre du bonus et actuellement il est à 0, donc bon. Vu qu'il y en a un qui crache du feu, je serais d'avis qu'on appelle notre team la team Rocket, non ? Et il faudra que je lui mette, c'est vrai que j'ai pas mis, mais elle a aussi une jauge, l'équipe en elle-même a une jauge aussi en renommée. Je peux pas vous dire le nom de l'équipe, par contre le nom du capitaine je sais, c'est Flamme. Ah bah en plus avec Team Rocket mené par le capitaine Flamme, moi je trouve que ça fait sens. Hein. Ouais, on va dire ça, hein. Faut le dire vite, hein. Je crois qu'on a perdu Wedge. Dans tous les cas, vous mettez quoi comme nom d'équipe ? Alors, si vous voulez. Ah moi j'ai proposé Rocket. Maintenant, vous pouvez proposer ce que vous voulez. Earth, Wind and Fire. Pardon, le chat. Banco, c'est vendu. Ouais, ça marche, ouais, ça marche. Ouais, ouais, j'achète. Je suis en train de mourir, merci. C'est Solar. On aurait eu des loups-garous dans l'équipe, on aurait pu s'appeler les lupins crétins, mais... La vache. On a définitivement perdu Wedge. Ouais, je crois. Ouais. Oh la vache. En tout cas, apparemment, Freak School, c'est un jeu avec lequel on se part bien. Ouais, après, okay. Comme moi je connais pas les BD, ou très peu, enfin j'en ai pas lu quoi. Donc, moi non plus, pas à du mon coup. Avis, je pense que l'univers est très, très drôle en fait, non ? Les BD elles sont très fun, non ? Ah oui, clairement. C'est très second, voire troisième, quatrième, cinquième et plusieurs degrés quoi. Mais bon. Bah, c'est parfait pour moi et ça. Non, du coup, pas de passage à l'infirmerie. Donc, vous finissez de remplir la fiche d'inscription de la team, donc c'est bon ? Yep. Dans l'équipe ? Ah. Bien sûr, c'est bon. Que vous remettez à un préposé très semblable aux celles que vous avez, à ceux que vous avez déjà eu à faire. Visiblement, ils les produisent en série. Ils enregistrent les données, regardent les héros et lâchent d'un ton qui dit exactement le contraire. Bienvenue à la FEA. Ok. Mais vous n'avez pas le temps de reprendre vos esprits que la fille au mégaphone vous retombe dessus et hurle « Pas ici l'orientation !» Vous êtes donc catapulté par l'onde sonore en direction de l'extérieur de l'amphithéâtre où des étudiants orienteurs et des où il y a des étudiants orienteurs. Il est temps pour vous de découvrir en détail le campus. Et donc ça fait référence forcément au plan du campus. Ouais. Alors. C'est où la caserne des pompiers ? C'est un peu tout le monde en fait. Hein. Il y a un hôpital psychiatrique dans le campus. C'est pas mal. Dans tous les cas, je vous fais juste rapide. Je vous fais un petit pour rapide. Après, vous pouvez aller visiter différents endroits, mais au vu de l'heure, vu qu'on veut finir pour minuit, on va vite passer en fait à la suite. Donc, la tour au corbeau, donc centrale, le 1. Grande construction récemment refaite dans un style art nouveau sur le modèle de la première tour, date de 1869. C'est le siège de la direction et de l'administration de l'école, autour duquel se situent la plupart des principales salles de cours. Dans le même quartier, il y a la plupart des associations étudiantes qui d'ailleurs ont dressé des tables et des stands et distribuent moult prospectus, qui finissent pour souvent en avion de papier. La cité universitaire entre les bâtiments modernes en béton et l'avenue des États-Unis
et les constructions plus anciennes, fin 19e, début 20e, des rues adjacentes, on trouve la plupart des dortoirs et beaucoup de boutiques et de bars destinés aux étudiants. Pas chic et pas cher. On a les pentes, le quartier médiéval à flanc de colline qui descend jusqu'à Laon-Jumeau, à la limite de Avalion. On y trouve également des boutiques, des bars, mais plus à la mode, donc plus cher. Idem pour quelques rares chambres. Après, on a les ruines et le complexe sportif dominé par le fort, qui est un fort massif, d'où son nom, sauf que non. Les clubs sportifs tiennent boutique. Ils tiennent boutique et les amateurs de jeux de GN font des démonstrations de combats historiquement discutables dans les ruines romaines. À ça, on a aussi les différents départements de la FEA, où les étudiants orienteurs vous font leur article sur le thème « Mon département, c'est le meilleur du campus, les autres, c'est des touristes, c'est des branleurs. » Et on dirait qu'ils ont tous les mêmes éléments de langage. Comme un modèle de discours commercial dans lequel on change juste le nom du département. Je vous fais juste rapidement le tour des départements. Donc on a le département des sciences sociales qui regroupe à la fois les études de lettres, de droit, d'économie et surtout de communication, qui occupe un vaste bâtiment dans un style et entre l'époque, l'hôtel particulier et la caserne, attenant à la bibliothèque. On y trouve aussi le département des sciences asociales qui dispose d'un petit centre administratif nommé le QG, ancien fortin napoléonien encastré dans les remparts. Alors, les sciences asociales, c'est magie, complexe sportif pour l'enseignement des combats, craft. Après, on a le département des sciences, avec un département des sciences avec science avec une majuscule et un point d'exclamation à la fin, très important. dont l'apparence du bâtiment est un bâtiment victorien doté d'une belle cheminée dans laquelle trône sur la pelouse Lola, un char araignée. Expérimental devenu la mascotte du département. Mais la plupart des infrastructures sont surtout situées en sous-sol. On y trouve d'ailleurs une unité qui étudie les héros, ainsi qu'une unité spécialisée en architecture et une en médecine. Dans tous les cas, vous êtes ballotté un peu partout. Alors, la question c'est, est-ce que vous voulez voir un truc? Sinon, on passe directement à la suite. Bon, pas particulièrement pour l'instant. Le char araignée, Le char araignée au bâtiment des sciences explique que c'est un char qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Qui a été capturé par les résistants, retapé, puis détruit, puis retrouvé, puis retapé par le département scientifique, qui en a fait sa mascotte, et actuellement il est désactivé, il est équipé d'une IA comparable à celle d'un Labrador. C'est bien sûr, il a été désarmé. Hein. Tu jettes un obus et va le chercher, c'est ça? On peut le lancer dans l'eau. C'est un peu la problématique du char en question, c'est que il devient un peu trop incontrôlable à partir du moment où tu lances un objet petit, rond et quelque part. Donc la plupart du temps, comme là, quoique là, ouais, il est peut-être en démonstration, mais la plupart du temps, il reste quand même assez désactivé. Et les rumeurs disent que si des fois il y aurait des problèmes dans l'université et autres, il est utilisé comme force d'intervention et réarmé pour l'occasion. D'accord. Et du coup, il n'y a pas de chenille, il a des pattes, c'est ça? Bah oui, c'est ça, c'est mi-araignée d'un côté, mi-char d'assaut au-dessus. Mais c'est des araignées poils, enfin c'est des pattes d'araignée vraiment ou c'est des pattes mécaniques qui ressemblent à des pattes d'araignée? C'est des pattes mécaniques. Ça pourrait être animal. Ah, en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est des pattes mécaniques. Et donc, bah justement, vous êtes au département des sciences. Et vous êtes en train de visiter le département en sous-sol. Il y en a peut-être qui ont été plus intéressés que d'autres. En tout cas, vous êtes accompagné d'une certaine Julie Vespa, surnommée Willy. Parce qu'elle est en Segway. Vous parlez un peu avec elle est paraplégique et en fait, elle trouve que le Segway, c'est beaucoup plus cool que le fauteuil. Il y a deux choses qui pourraient la définir, je dirais. D'une part, elle est infatigable.
Parce que ça fait un peu 2 heures que vous crapahutez à sa suite, et elle est intarissable sur les diverses expériences qui se déroulent dans le département de sciences, et elle a insisté pour vous faire visiter tous les laboratoires du sous-sol. Enfin, ceux qui sont autorisés à être visités. Et elle vous fait un cours magistral sur les différents trucs. Est-ce que vous avez des questions à lui poser ou dire quelque chose? Ça fait déjà 2 heures que vous crapahutez derrière elle et sur Segway, et elle s'arrête à chaque salle pour vous dire « Ah, ici, il y a telle expérience !» Et elle vous raconte une anecdote, une machin, un truc. Ah si, moi j'ai une question à lui poser, c'est où les toilettes? Parce que ça fait déjà 2 heures, quoi. Justement, elle a une bonne histoire à te raconter sur les toilettes. Elle t'amène à des toilettes expérimentales. Et elle commence à t'expliquer l'histoire de ces toilettes expérimentales et des histoires de flux et de reflux. J'ai baissé ma gravité de 50 ans. Je vais me retenir en fait, parce que plus elle me parle de toilettes, moi j'ai envie de l'utiliser, tu vois. Bref, sinon, bah, je crois qu'on va y aller. Merci pour la visite de 2h10 minutes. Voilà. Comme on dit, bon pied, bon oeil, hein, on va y aller. Hein. Ah, attendez, il reste quand même ça. Elle vous commence à vous faire un cours magistral sur les différents systèmes de sécurité du lieu, et une énorme alerte retentit dans le bâtiment, et les portes coupe-feu tombent. Ah, c'est sans doute une expérience qui est partie en vrille. Ah, ça arrive, mais pas d'inquiétude. Ces portes sont prévues pour résister à des... Elle n'a pas le temps de finir sa phrase, que la porte explose sur des coups violents, et un immense troll... qui vient à peine dans le cou- qui tient à peine dans le couloir, passe à travers l'écume au lait. Donc Willy s'interpose entre vous et le monstre. Des excroissances agressives se déploient de son Segway et elle lance « Ouvrez la porte pendant que je le retiens, le code est !» Et là, des bruits de combat couvrent le reste. Ah, je m'en fous, 1, 2, 3 soleil. Alors, attends. Je vous définis techniquement. Oh, je vais lui cramer le cul à ce troll, tu vois. Alors, virez-moi tous les jetons, déjà. Bah, attends, vas-y, c'est relou. Faut que je gère plein de fois l'affichage, moi. Donc, dans le chat, je vais vous mettre quand même... Parce que, pour que vous ayez une idée du truc. Voilà. Donc, D12, C12, R2. Ah oui. Coulé. Donc, ah oui. C'était un porte-avions, ça. Alors, d'abord, je vous parle techniquement, et après, on va revenir au... comment ça s'appelle ? Aux actions. Mais d'abord, on va gérer la partie technique un peu avant. Donc, hop, 3, 4, 5. Si je mets tout de suite les... Ça va être compliqué, là, pour nous. Ah. Ouais, alors, ça va être sacrément compliqué. Plusieurs choses. La situation actuellement où vous êtes est périlleuse, clairement. Ce qui fait que de base, il y aura déjà 2 dés de risque qui vont être jetés. En dehors de toutes les actions que vous pouvez faire, ces 2 dés seront jetés quoi qu'il arrive. Sur les 2 tours. Il y a 2 tours, donc. Autre chose, vous êtes accompagné de Willy. Donc avec son super Segway. Willy, c'est un allié. Et c'est un allié qui vous fournit 5 jetons. Que je mets sur le bord gauche du truc. 5 jetons que vous pouvez utiliser à votre convenance. Sachez que si elle arrive à 0 jetons, il va falloir pousser son Segway. Hein, parce qu'elle ne sera pas capable. D'accord. Bon. Après, on n'est pas obligé. Je veux dire, on peut la laisser là. Ouais, c'est pas cool, mais bon, tu fais ce que tu veux. Dans tous les cas, voilà pour ce qui est du truc. Donc, à partir de là, en fait, comme je disais, ça reste du narrativisme. Donc, l'affrontement, soit vous allez vous tataner avec le troll, soit vous allez montrer comment vous allez vous enfuir. Le truc étant que si vous arrivez à solder le contrat, en gros, vous en tirez sans trop de pépins, que ça soit la fuite ou que ça soit l'affrontement. Dans tous les cas, c'est vous qui allez décider comment ça va se passer. Et si vous perdez l'affrontement, en fait, vous allez prendre un certain nombre de dégâts qui se répercuteront sur vos jauges. À savoir, je rappelle, donc, la jauge de terrain représente à la fois votre santé, vos capacités physiques, mais aussi vos capacités financières. C'est-à-dire que si vous prenez des dégâts dans la jauge de terrain, c'est-à-dire que vous serez blessé là, ici, physiquement, parce que le troll, il est pas là, il peut pas vous faire un prélèvement bancaire, clairement.
La jauge de renommée, c'est clairement la renommée que vous avez au sein du campus et au sein des médias en général. À partir du moment où il y a des témoins de ce que vous faites, vous pouvez prendre des dégâts en renommée. Par exemple, imaginons vous perdez des trucs, etc. Vu que vous êtes vu par les autres et par la Miss, peut-être que il y aura quelqu'un qui l'aura enregistré sur son téléphone portable ou alors une caméra de sécurité. Et donc, des gens l'auront vu et ça va faire des dégâts sur votre renommée. Et le dernier point étant le crédit. Le crédit, c'est quoi? C'est vos résultats en fait scolaires. À la fois aussi bien en négatif les heures de colle et les mauvais résultats qu'en positif des très bons résultats, une bonne assiduité, etc. Le truc c'est après voilà en gros sur les dégâts, si vous prenez des dégâts et que vous perdez, sur quoi vous allez devoir jouer et répartir les dégâts, parce que les dégâts je vous donnerai juste une jauge, à savoir en gigawatts une jauge à verser dans vos dégâts, et c'est vous qui déterminerez où vous prenez. Ok. Voilà. Maintenant je vous laisse avec le troll. Ouais. Alors, moi, clairement, alors... je vais pas vous le faire en très compliqué. Hein. Il veut vous barave. Ça, j'ai bien compris. Ça, on a bien compris. Eh ben ça, oui. Pas de souci. Moi, je vais lui faire en 2-3 soleils. Hein, histoire de. Vas-y, explique-moi. Histoire de lui cramer la tronche. Hein. Mm-hmm. Donc, j'envoie une grosse boule de feu. Évidemment, j'essaie d'éviter les tentacules mécaniques qui sortent du Segway de l'autre, là. Et. Ok. Et voilà, histoire que ça lui pète dans sa tronche. Et après, il faut prendre des risques, non? C'est plus fun. Ouais, c'est mieux. C'est mieux parce que là, ouais, il va falloir. Hein. En faisant ça, je m'approche, en fait. Du coup, je suis à portée de lui, quoi. Et en fait, pour pas toucher mon allié, je suis obligé de me décaler, de m'approcher. Et potentiellement, je rentre dans l'espace vital du monsieur, quoi. Dans l'inverse de la friend zone, si tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Ok. C'est un dé. Pour le coup, c'est pas plus que ça, mais ouais, tu prends un dé de risque. Tu me lances un dé. Père, tu te rajoutes un point. Un père, tu lui rajoutes un point. Oh. Père. Et du coup, y a pas de bonus pour le relancer, celui-là. On veut pas, y a pas un truc à dépenser pour qu'on peut le relancer, celui-là. Alors, tu pourrais le relancer dans le cadre d'un pouvoir qui agit sur la chance, et en fait, à la fin, avant la résolution, tu peux choisir de relancer tous les dés, si t'as un pouvoir qui est lié à la chance. D'accord. Ouais, personne n'a pour le pouvoir coup, lié sur la chance. Parce que sinon, parce qu'on ne savait pas. Parce que c'est cheaté. Ah oui, mais en même temps. Nous, on a le talent, tu vois, on se voit l'un sur l'autre, quoi. Bon, dans tous les cas, je lui crame le cul, quoi, mais bon, ça va pas l'aider. Bah, a priori, ouais, ça du crame aussi le cul de tes collègues, hein. Donc, ok, donc 3 points versus 13. Le problème, déjà, c'est que... j'ai pas grand-chose sous la main. Alors, mis à part les fameuses toilettes de légende, qui sont certes une relique, mais je vois pas trop... On est dans un jeu narrativiste. Si tu veux rajouter des objets qui sont sur place, tu es dans le département des sciences. Tu es libre de prendre ce que tu veux. Tlon, c'est facile. Oui. Tu vas appuyer sur le digicode et avec ton pouvoir, tu vas te rappeler de la combinaison. Pour ouvrir la porte? Bah oui. C'est pas con. Que t'as pas entendu ce qu'elle t'a dit, l'autre. Tu t'en fous. Ouais, on a pas entendu. Mais attention, moi, c'est des reliques à la base. Hein. C'est pas des objets là-dessus. Je sais pas si le digicode... Non, mais c'est... Touché c'est par non, mais t'es libre d'interprétation de tes pouvoirs. Ok. T'es pas... Après, si tu veux te limiter, tu te limites, mais t'es libre d'interprétation. Par contre, si ça tombe sous le coup de ton trouble, le trouble se rajoutera en plus du pouvoir. Ah, donc ça me donne des trucs en plus, mais c'est fun. Pas moins, le trouble ça me donne pas des trucs en plus. Hein. Non, tu vas donner un jeton à l'adversaire. Ah oui, ouais, donc on va éviter le pistolet de Nikola Tesla, ça va pas le faire. Non, mais on peut très bien rajouter qu'en effet, que le. C'est un digicode. Mmh. Je me reconnais, c'est le digicode. Ah justement, j'essaie de trouver, de l'associer à un truc bien particulier, mais Edison ne faisait pas des digicodes. Il faisait des lampes. Bon, je te laisse réfléchir à la situation, je vais voir d'abord chez Ikaru. Ikaru. Ah, Ikaru. Icar, en vrai. Le mec qui vole, il s'appelle Icar, hein. C'est bon. Hein. Tu bien, fais vu. Quoi bien vu. Bien vu. Bah.
Je pense qu'en fait, il est bloqué dans le couloir, il a du mal à passer, ou il y a quand même encore un peu de marge? Toi qui vois, moi je t'ai dit, il ponce le couloir. Il ponce le couloir? Ouais, mais peut-être pas à la hauteur du couloir. C'est toi qui... J'ai pas précisé. C'est à toi d'imaginer. Hein. Bah en fait, moi c'est clair que je vais voler, je vais clairement voler vers lui en fait. Donc je vais prendre un risque. En plus, je vais clairement aller, je vais clairement voler jusqu'à lui. Quoi. Attends, je regarde un truc. Ouais, la direction, c'est ça. Ok. Et ah oui, mais non, là c'est un, c'est... j'utilise deux clés de. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave d'utiliser deux clés. T'as le droit. D'accord. Il y en a une qui sera pas plus que l'autre, donc c'est pas grave. D'accord. Vas-y. Donc j'annule complètement ma gravité. Et je fonce sur lui pour même si c'est pour essayer de donner, voilà, pour essayer de le toucher au moins. Non mais tu, c'est pas ça, tu dis que tu mets un pain, c'est tout. Oui, je mets un pain, oui. Tu voles, tu te mets au-dessus, tu annules ta gravité, et tu tombes dessus pour lui mettre une tatane. Ok. Voilà. Donc je vole en rasmote, hein. À ok, quoi, tu lances le dé. 1m40, tu vois. Tlon, je t'ai envoyé un message MP sur Rollsteam, tu peux. Avec un commentaire du chat. Ok. Ouais, peut-être. Eh, hey, bordel à cul, ça lui rajoute un. Voilà. Oh, joli. Je l'ai fait, hein, bien vu. Bien vu. Ok. Putain. Ah, ça picote. Il va me fracasser. Hein. Donc, on est à 4D de lancer plus un pouvoir, donc 5 gigawatts d'engranger dans le truc. Ok. Lily, elle va se mettre en danger parce qu'elle va se rapprocher du digicode qui est proche du troll, forcément. Ok, mais il est proche du troll. Comme c'est le bâtiment des sciences et qu'il n'y a pas n'importe quoi dedans, c'est pas n'importe quel digicode, c'est le digicode, le premier digicode créé par Monsieur Tesla, et avec encore les dorures de cuivre, à steampunk, etc. Et j'espère bien pouvoir, en le touchant... comprendre son fonctionnement et ouvrir la porte. Attends, je me mets un peu de pommade anti-anachronisme sur mes fesses. Attends, vas-y, continue. Chat qui disait je lui ai envoyé. Il me l'a envoyé, oui, mais alors là, franchement, ça faisait un peu trop. Ça aurait été une combinaison à la rigueur, oui, un digicode grec, ça fait bizarre. Donc, je vais claquer mes 2 points pour mon copycat plus 2 pour faire le truc là-dessus. Et je vais lancer mon dé, forcément. Ça... parce que... Oui, non, mais attends. Tu m'as dit que tu faisais ça, mais est-ce que ça vous l'apporte ou pas? J'ai pas dit, mais. Si tu le dis pas, c'est juste que tu. Non, c'est pas normalement, tu choisis, tu le dis. Ah, je choisis, oui, ça ouvre la porte, forcément que ça ouvre la porte, parce que je connais tout du fonctionnement de ce digicode de légende. Ok. Vas-y, lance ton dé, hein. Putain. Alors, tac-tac. Alors, fais pas un pair, hein, évidemment. On va essayer. J'ai une chance sur deux, hein, je te rappelle. Ah oui. Ah bah voilà, hein. Attends, je le fais, voilà, c'est fait. Voilà. 15, hein, c'est ça? Il est à 15 en face, hein. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. On va manger grave. 5, 6, 7. Alors, je rappelle que vous avez un jeton chacun, plus un jeton d'équipe que vous pouvez utiliser sur votre renommée, plus les 5 jetons de Willy qui sont présentes. Vous avez actuellement cumulé 7 gigawatts. Sachant que c'est, si vous perdez, c'est 7 gigawatts pour vous, hein, pour vos gueules. Hein. Ah oui, c'est vrai que Willy, elle a pas mis ses jetons encore. Ah, c'est vous qui les gérez, elle en a 5. Elle en a 5. Et là, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et l'autre, il est à 15. Il nous en manque 8 quand même. Hein. Ouais. Le problème, c'est que si on met tous les jetons de Willy, plus notre renommée, plus nos jetons d'équipe, on peut réussir à passer le premier coup. Mais alors, deuxième coup, on va avoir mal. Oui, parce que Willy, faudra la pousser. Hein. Ouais, faudra la après, sauver. Là, le truc étant que. En fait, tu vas avoir un stock de gigawatts. Si c'est toi qui l'as, le stock, t'en fais ce que tu veux. Ah oui, oui, si, oui. Et donc, si c'est l'ennemi le... qui l'a,
Non, mais si c'est l'ennemi qu'il a, là, il va récupérer au total, là, à la fin de l'affrontement, c'est 7 gigawatts plus le 1, donc 8 gigawatts. Les 8 gigawatts seront à répartir sur, en blessures sur vos jauges. Oui, donc on a tout intérêt à remporter le truc. C'est, ouais, donc, voilà, le calcul est vite fait. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, je vous donne juste les éléments. Vous faites vos conclusions comme vous l'entendez. Oui, et mais après, attends, alors déjà, on va mettre. On remettre à Willy. On va déjà mettre les 5 jetons de Willy. Ouais. Willy, elle est en pleine baston, clairement. Voilà, avec clairement. Les... Clairement, elle y va à fond. Comme dans tout, à fond, Willy. Exactement. Après, il faudra sauver Willy, hein. Tout à fait, on est bien d'accord. Ouais, non, on va la laisser mourir. Déjà fait. On a aussi des jetons d'équipe, c'est ça? On a un jeton d'équipe. Vous avez un jeton de renommée d'équipe. Et vous avez tous un jeton chacun. Ce qui fait 4 jetons. Donc là, ce qui fait qu'on monte à... On est à 12. Et si on a un jeton d'équipe et un jeton chacun, on montera à 16 par rapport à 15 et on l'emporterait. Donc là, c'est il va ça, falloir se donner à fond, les petits gens. Bah, on se donne à fond, en fait. Alors, le jeton d'équipe, on le dépense parce qu'on on se donne à fond dans cette équipe. De toute façon, c'est ça où on s'en prend la gueule. Donc, toute renommée ou autre, allez à fond, vous déchirez les vêtements devant la caméra, vous êtes filmé. Ah oui, hein, carrément, c'est... Enfin, c'est... Aucune tenue, aucune classe. Ah bah oui, non mais... On entend la musique Capitaine Flamme qui traîne, donc. Non, je l'ai pas. Donc ça fait un jeton d'équipe, et on met chacun un jeton de renommée, carrément. Mm-hmm. Donc ça nous fait, donc, on est bien d'accord, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah non, 16. Tes amis, toi, d'accord. Mm-hmm. Et là, normalement, je pense qu'on peut plus rien faire. Bah, en même temps, en fait, là, ce qu'il faut espérer, c'est que tu vois, le MJ soit pas un gros bâtard et mette pas un jeton du côté du plateau de l'adversité. On est bien d'accord. Mais là, on se donne à fond pour essayer au moins de passer le premier tour à récupérer les 7 gigawatts. Bah, vous réussissez ce tour-ci, donc vous êtes à 8 gigawatts. Moi, sur mes 6 jetons que j'ai, je rajoute 1 gigawatt. Passez à 9 gigawatts. Je grille un de mes jetons. Maintenant, vous vous démerdez avec ça. 9, pas 10. Alors, là, les gens, il va falloir sérieusement penser à baisser le... Sachant que le contrat, il va redescendre à 12, sur, enfin, la difficulté à 12 au tour d'après, hein, pour le coup. Mais... Oh, parce que, bon, on en a 9. Il est à combien, là? 12. Si tu le passes à 3 d'un coup, c'est-à-dire tu mets tout pour baisser le contrat, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, mais après on perd. Après, le truc, façon, c'est que avec les points que t'as, tu peux récupérer des points dans les jauges que t'as perdu et des points que tu peux aussi redonner à la Miss. À Willy. C'est-à-dire que tu peux récupérer des points que t'as dépensés. Ouais, pas tous. C'est pas con. C'est pas con parce que là, si on perd, on perd notre renommée forcément parce qu'on a tout claqué. Donc. On a investi les 4 points de renommée, un équipe, chacun notre truc. On peut déjà récupérer 4, ce qui fait qu'on descend à 5, et le reste, on peut donner à Miss Willy. Oui, mais ça veut dire que tu touches pas au contrat, tu descends pas le contrat. Ouais, c'est ça le problème, c'est que soit on récupère ça, va falloir faire un arbitrage. Voilà, soit on descend tout, mais on perd tout. Qu'est-ce qui vous semble le mieux? Alors, moi, je serais pour remettre à Willy. Ouais. À 9, hein. 9. Moi je dis Willy c'est un PNJ, elle a pas d'âme, on en a foutre. on la laisse crever quoi. Bon, alors là, rien à carrer quoi. La controverse de Twitch, les PNJ ont-ils une âme? Alors. Voilà, vous avez 2 heures. Donc ça fait, on en donne 4 à Willy. Nous en fait plus que 5. Ah ouais, mais on baisse pas le contrat, et le but c'est de baisser le contrat, putain, c'est con. Ah oui, c'est pour ça que je dis rien à faire, on s'en fout de l'autre. C'est un jeu de sadique. Ah oui. Ah ouais, je veux dire, si tu donnes un jeton à Willy, elle peut continuer à vous suivre, servir plus tard. Ouais, on va lui redonner qu'un jeton qu'elle puisse nous suivre. Le truc c'est qu'il faut qu'on établisse le contrat en 2 tours. Donc,
on s'en fout de notre renommée et compagnie et tout, on redonne un jeton à Willy, un seul pour qu'elle puisse encore bouger ou autre. Et on le descend à 4. Et voilà, on descend à 4 le contrat. Donc, t'es bien conscient que ça va être super compliqué au deuxième tour quand même. Ouais, mais. Mais si vous me faites confiance, ça devrait aller. c'est bien si j'y crois pas. Ça me semble super compliqué. C'est une référence de film, mais. Allez. Ouais. Je m'occupe des rouges. Je m'occupe des verts. Alors par contre, niveau héraldique, la bonne femme là sur l'image, elle porte son épée avec la lame vers le bas. Ce qui n'est pas très très gentil en fait. Oh, tu te démerdes avec la personne qui a dessiné. Hein. Moi, je veux pas. Dans tous les cas, donc comme je disais, l'affrontement reste toujours difficile, donc je lance 2d6 en début de combat. Donc ça fait déjà de base un point de chaque côté. Mais surtout, ça fait 2 gigawatts déjà d'engranger de base. Ça change pas la difficulté pour vous qui est de 12 hein, en soi, mais voilà. Ok, Doki. Non, qui est de 13 en fait. Il y a quelqu'un qui bouge le fond en fait. Vous me retirez le point. Il est là le point, il bouge pas. Mais pourquoi c'est un bleu, c'est ma couleur. Oui, mais le truc c'est que je vais pas mettre d'autres couleurs. Je vais mettre un orange, ça fait plaisir. Voilà. Ouais. Voilà. À vous. Alors, si je peux commencer. Vas-y. On te fait confiance. J'annule la complète. Je le touche le troll. Ah oui, bah, tu le touches. Tu dis que tu touches, tu touches normalement. Mais vas-y. Ouais ouais. Bon bah je touche le troll et j'annule complètement sa gravité. Ok. Maintenant, il faut juste, vu qu'il n'a plus de gravité, il faut juste un petit souffle ou un choc violent ou quelque chose comme ça, pousser au loin. Alors. Moi, ce que je veux faire, c'est cavaler. Ouais, annuler sa gravité, c'est qu'un seul, c'est plus un. Oui, c'est qu'un seul, pardon. Il vaut mieux utiliser ton pouvoir à deux. Hein. Oui, et puis remarque, j'annule complètement sa gravité, et puis je l'expédie où je veux, en fait. Bah oui. Carl. Ouais. Et c'est où que tu veux? Loin de nous, dans le sens contraire de la porte qu'on doit prendre. Ok. Moi j'y crois pas du tout à son plan. En gros, de là où il vient. J'ai pas joué pour lui, hein, je jouerai après vous, hein, pour le coup. Ouais, mais moi je me dis, il ponce les murs, donc il va peut-être pas forcément trop... Non mais de toute façon, c'est fait. C'est fait, t'as fait ton truc, ok, tu l'as poussé au plus loin que tu pouvais. Moi en fait ce que je veux faire c'est je veux courir et je vais sauter dans sa bouche. Et dans sa bouche je vais faire une boule de feu. Voilà. Oui, en effet c'est dangereux. Ouais. c'est pas dangereux, c'est carrément suicidaire. Carrément. Ok. Bah en gros tu vois c'est l'idée c'est, ouais c'est ça, c'est histoire que le feu rentre en lui quoi. Je me dis là. Attends deux secondes. Vu que quand même je suis toujours en contact avec lui, c'est dangereux. T'es d'accord? Ok, ouais. Et vu la masse que c'est et tout, il risque de t'emporter avec lui quand il est poussé, ouais. Vu que t'es quand même au contact de lui à le toucher. Allez, vas-y. Lancez vos dés. Et rajoutez deux jetons déjà, monsieur Obi. Ouais, mais moi c'est qu'un seul dé de risque. C'est pas plusieurs ? Bah en fait tu peux pas prendre plus pour l'instant avec ton niveau de héros, malheureusement. Ah d'accord. Bon, bah en avant Guingamp. Oh, putain. Bon bah voilà. voilà, un, histoire de. On a fait les mêmes bien que précédemment, hein. Ah non, je crois qu'ils sont plus pourris là. Ok. Non mais pour impair quoi. Ah ouais, j'ai compris. Ok, côté Lily, ça s'annonce mal, hein. Clairement, ça s'annonce très mal. Ça s'annonce très mal. Allez, t'es Lily, on y va. On va continuer dans le Tesla, vu qu'on est vraiment dans la partie pavillon. Est-ce que t'es sûr qu'il faut rajouter des gigawatts au combat? Tu me diras que oui, c'est pas con. Il y a vraiment... On va morfler, là. Mais par contre, les deux sont en contact. Ouais, enfin il y en a un, il est au contact et il y en a un qui est dans la bouche.
Donc il y en a qui est au contact, il y en a qui est carrément dans le pacte. Dans le contact. Waouh. Je pense que je vais me contenter d'activer le système d'alarme là, pour essayer de ne pas monter les gigawatts et essayer que ça se passe le plus en douceur possible. Tu me diras, il y a déjà le système d'alarme vu que les portes coupe-feu sont baissées et tout et tout. Au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Il va me chier et puis c'est tout. C'est pas grave. Hein. Ou il va te recracher. Attends, j'ai peut-être un truc. Qu'est-ce qui pourrait détourner l'attention d'un troll? On reste pas, hein. La nourriture épicée, je dirais, a priori. Ouais, genre bien relevé, parce que là, il est en train de se... il va se déguster un truc sauce barbecue vite fait, bien fait, là, donc... Bon, en fait, non, je sais pas. Mais je pense que je vais m'abstenir de faire quelque chose pour éviter de charger les gigawatts et s'en prendre plein la gueule. Donc en gros, tu regardes l'action et tu branles rien. Bah, c'est un peu l'effet que ça fait, mais oui. Ok. C'est ça, en espérant que ça se passe pas trop mal. Ok, donc bah on passe à... Donc, c'est l'adversité qui gagne. Oh là, voilà, qu'est-ce qu'il fait le jeton? Ouais, non, il redescend le jeton. Donc là, on est à 6 gigawatts. Alors c'est simple. Le truc c'est que bah c'est le troll qui va gagner l'adversité, donc c'est lui qui va faire les dégâts. Donc vous avez 6 points de dégâts qui sont liés au fait que bah il lui reste 6 gigawatts à répartir dans vos jauges. À vous de voir comment vous les mettez, en terrain, en renommée ou en maîtrise, tant que c'est justifié. Soit vous faites vous-même la fuite avec ce truc-là, avec là où vous avez fait les dégâts dans vos jauges et tout. Soit c'est moi qui le passe qui le fait. C'est vous qui voyez pour le coup. Si vous voulez le faire, c'est vous qui voyez. Ouais, je pense que ça va être notre renommée, les gens. Hein. Oui. La renommée de... Oh bah, notre renommée, la renommée de l'équipe, grosso modo, on va partir en courant le pantalon sur les chevilles, parce que là... Ça nous a foutu une belle déculottée. En même temps, c'est un plein de trolls. Ouais. Bon, en tout cas... Donc en gros, c'est de la fuite, clairement. Ah oui, c'est de la fuite. Vous pouvez, avec le troll qui vous charge dans tous les sens, et qui vous mâchouille pour certains. Voilà, franchement, en fait... Moi, je me prendrais au moins un coup, un dans le terrain, parce que je suis au contact et je me suis pris la massue, j'ai pas fait attention. Ok, bah, dans le truc, t'as le malus modificateur, actuel, ouais. Donc moins un terrain, et tu peux mettre blessé, quoi. T'es blessé, quoi, tu t'es pris un coup de massue. Oui, je me suis pris... moins un. Il reste 5 points à distribuer, hein, l'équipe. Moi je prends le... Ah toi tu prends en renommée, hein, t'as rien branlé au dernier coup. Oui, hein. Je cherche même pas. Hein. T'as rien branlé, tu les as pas aidés, tu les as regardés. Je suis désolé, hein. Moins de en renommée, hein. Au minimum. Oh, parce que là, c'est juste à l'inverse de ce que... Hey, c'était pour vous aider, les gens. Remarque, je me prendrais pas moins 2 en blessure en terrain, en fait. Ça me va. Y'a moins 2 en blessure. Y'a pas moins un, y a que les impairs. Pas moins deux. Non, ça c'est les, c'est oui, des paliers. Mais... Enfin, je l'ai compris comme des paliers. Après, je me trompe peut-être, mais pour moi c'est des paliers. Je l'ai compris comme ça, après je me trompe peut-être. Ok. Mais... je pense que je vais me prendre un moins 3. C'est un. Ouais. Du coup, vous allez me porter quoi. Vous arrivez à 7 là. Hein. Parce que Tlon a pris moins 2 en renommée, elle a dit qu'il prenait moins 2 en terrain, donc il reste que 2 points à distribuer. Ah! Non, il reste 3, puisqu'il a dit qu'il avait 6 de la jauge. Ah oui, bah 2, ça fait 6, hein, 2 x 3. Hein. Ah oui, 2. Oui, tout le monde bon bah, du coup, renommée, et un en renommée, un en terrain, et puis voilà, on va pas s'emmerder. Hein. Ok.
Ah, faut dire que courir. Donc, il finit par te recracher. Vous courez comme vous pouvez avec Willy qui est derrière vous, qui essaie de le retenir. Clairement, bon, bah, c'est pas cool, hein. Vous êtes dans la merde. Sans déconner. Clairement, la seule porte qui s'offre à vous, qui vous poirait une option de sortie, une espèce de vieille porte. Après, au-delà de ça, c'est continuer à affronter le troll dans les différents couloirs du bâtiment avec les portes en coupe-feu fermées pour la plupart des endroits. Oui, elle n'a pas déjà... de tous les endroits. Ouais, mais déjà, est-ce que la porte s'ouvre? Ah ouais, elle s'ouvre. Ah bah dans ce cas-là, je leur gueule de venir ici et de se planquer. Caché à cet endroit-là, ouais. Ok, vous rentrez. Bon, je suppose que vous fermez la porte derrière vous. Oui. Non. Vous êtes... bah c'est simple, vous êtes dans une cahute, une petite cahute en bois. Quand vous fermez la porte, bah, y a rien qui se passe derrière vous, la porte se ferme quoi. Et ouais, genre la cabane en gros rond bois, en gros rondin rustique, et le silence autour de vous, un silence oppressant. On dirait que tout autour de vous s'est arrêté, même la lumière crépusculaire qui filtre par les volets fermés. C'est quoi? C'est bizarre. Et où là? Bah justement. Willy, oui. Elle le sait peut-être. Elle connaît elle tout dit du coin. Elle a jamais venu ici. Et Willy, clairement, elle est pas en bon état. Hein. Elle a besoin de se reposer là. Elle a des taches noires et blanches qui sont apparues, non? Non. Oh, punaise. Bref. Bah, je vais voir à la fenêtre ce qui se passe, où est-ce qu'on est, et si j'arrive à définir à peu près où est-ce qu'on est, quoi. Mmh. Alors, tu regardes par la fenêtre, bah, y a des volets déjà, donc. les volets, je suppose. Ou tu vois, par les petits trous de volets. Bah, non, t'es dans une forêt. D'accord. Il n'y a pas de forêt ici sur le campus. Avec des arbres gigantesques baignés dans une espèce de lumière irréelle et pas de bruit. Clairement, le campus en lui-même, il y a de la forêt. Hein. La forêt a envahi le campus. Hein. Il y a des arbres partout normalement, mais vous n'êtes clairement pas dans le même genre de forêt. Alors par contre, il n'y en a pas. Enfin, plus pour très longtemps la forêt. Hein. Plus pour très longtemps. Ah putain! Non, toi ouais. Je te vois venir. Je te vois venir à 3 km, j'essaie de déterminer. Attends, il faisait jour nous quand on était dans le sous-sol Bah oui, on est arrivé en fin de journée quasiment, enfin vers midi ou un truc comme ça, donc c'est bizarre. Ouais. J'ai comme qui dirait l'impression qu'on a quitté un peu là où on était pour aller ailleurs là. Bah en fait, là je pense à une téléportation ou quelque chose comme ça quoi, c'est. T'as le droit. Et bon, on va pas essayer. On est passé par une porte qu'il fallait pas, à mon avis, hein, c'est tout. Hein. Oui, mais voilà, c'était ça ou le troll. Alors, Je suis d'accord avec Solar, on n'est plus au Kansas. On est plus au Kansas. Par le cyclone et on est parti sur le pays avec l'épouvantail et puis l'homme de fer. Bah, j'essaie de quand même un peu de déterminer. On laisse le temps à Willy de récupérer, ça c'est sûr. Ouais, par contre, on s'éloigne de la porte, on sait jamais. Hein. Tu laisses la fenêtre ouverte ou pas? Non, je vais la refermer. Oh. Mais il fait frais dehors. Pourquoi on en avait fait un peu ni frais ni chaud. La même température que. Ouais, y a pas. Vous faites quoi? Parce que bon, vous êtes dans cette maison, vous avez regardé dehors, mais. Y a des objets dans la maison, sur la table. Tu fouilles la maison? Bah oui. Y a de la vaisselle grossière et ébréchée. Y a avec des odeurs pas racontables. Et tu remarques que une bonne partie de les odeurs viennent de cette espèce de trappe dans cette maison dans les bois qui est située dans la pièce principale. Trappe? Oui, une trappe comme pour descendre dans une cave. Bah, je vais ouvrir la trappe. Oh la vache, ça pue la mort là-dedans. Referme ça. J'essaie de. Il y a une torche, une lampe, n'importe quoi pour éclairer? Ah si, tu vois qu'il y a une torche qui est posée.
signes de vie récents. Il n'y a pas l'air d'avoir de la poussière. Hein. On arrive à distinguer de dans la cave. Je sais pas, il a dit de fermer, donc je sais pas si c'était fermé ou ouvert. Tu redescends ? Moi je serais d'avis d'essayer de voir ce qui pue la mort comme ça, parce que si ça se trouve, c'est peut-être le garde-manger du droit. Non. Renan, il fait quoi ? Je sais pas. Il réfléchit. Tu peux balancer une boule de feu en bas dans la cave pour éclairer, mais ça risque d'être lumineux, flashy et... Vous êtes dans une maison en bois, la cave elle est sous la maison avec un parquet en bois, réfléchis un peu à la situation. je vois pas où est le problème. On va descendre et puis c'est tout. Je vais descendre avec la torche. La torche et un mouchoir sur le nez. Alors clairement, en bas dans la cave, accroché sur des crochets de boucher, il y a des morceaux de viande qui pourrissent. Il y en a un qui bouge encore. Ressemblent à quoi C'est un petit être d'une petite taille, difforme, ligoté et bâillonné. Ah, c'est un jeu sexuel. Et si on débaillonne le petit... Bah, il va nous coller au basque, forcément. il te dit, détachez-moi. Et qu'est-ce qui se passe? Où on est? Détachez-moi. J'ai l'impression de parler au conseiller de Zandbar, en fait. Excusez-moi. Je vais le détacher, je lui demande, on est où? C'est quoi cet endroit? On est dans la maison. La maison de qui? On va pas aller très loin avec ça. C'est dangereux d'être dans la maison. Il t'attrape la jambe et il te fait « Vous êtes mon maître, vous m'avez sauvé !» Merci de m'avoir sauvé. Alors c'est maîtresse. Merci. Je ferai ce qu'il faut. Je me sacrifierai pour vous s'il faut. On va peut-être pas en demander tant. On veut juste nous rentrer chez nous, mais on est dans le troll. Vous avez quelque chose? Oui. Vous voulez quoi? Rentrer chez nous. Comment on fait pour rentrer chez nous? Et surtout pour éviter le troll qui est de l'autre côté. On passe par où? Il faut passer par le puits. Et tu peux nous montrer où est le puits? Il te dit, il est dehors, mais il y a les ombres dehors. Ah oui, il y a les ombres dehors. Tout de suite, ça explique. Mais craignent le feu, hein, mais il y a les ombres dehors. Ah, ça va aller alors. Là, je pense que tout le monde se retourne vers Renan en disant, je pense que tu vas ouvrir la marche. Je peux. Si on s'occupe des ombres, tu peux nous montrer où est le puits? Mais le puits, il est en face. Et voilà. Vous sortez, il y a le puits. Et vous me laissez pas là, hein. Je reste avec vous, maîtresse. Alors, pour l'instant, tu fais ce que tu veux. Tout ce qu'on veut, nous, c'est atteindre le puits. Bah, il faut courir. Alors, Renan, c'est toi qui ouvres la marche pour les ombres, et tu sautes en premier aussi, à qu'on entende bien qui c'est pas un puits à sécher ou quoi que ce soit. Non, c'est moi qui vais sauter en premier. Si tu veux, c'est ton côté kamikaze japonais, je le savais. Mais j'ai rien compris. J'ouvre la marche, pas de problème. Vous ouvrez la porte. Clairement, oui, quand vous regardez, vous faites quelques pas dehors, et dehors, en fait, ouais, il y a des créatures qui sortent des ombres, et qui sont elles-mêmes des ombres, elles ont des yeux rouges, et une quantité déraisonnable de dents. Des lapins géants. Je serais presque à les appeler des langoliers, mais bon, ça ne regarde que moi. c'est très bizarre, je sais pas trop où on est, mais ça me plaît pas trop. Déjà, le troll, c'était pas sympa, mais ça a pas l'air de cool non plus. Et bah, clairement, oui, elles veulent essayer de vous niaquer. Hein. Pas à peine d'essayer de les raisonner, elles veulent vous niaquer. Et donc, si je comprends bien, votre but, c'est d'aller vous jeter dans le puits, hein. On est d'accord? Oui. Donc, on est sur une adversité qui va se régler en un tour. D6, C8... Ok. En un tour. Putain, il va falloir claquer beaucoup de choses en un tour. Ça va, après c'est pas des difficultés hyper... Ouais, hyper, ça va, c'est 6, mais moi... c'est assez classique, hein, c'est boule de feu pour... du jugo, ouais, surtout. Pour cramer de l'ombre, hein. Donc je suis devant, donc je suis au contact, donc c'est dangereux. Et je vais faire un impair, voilà. Si pour quelqu'un qui craint l'eau est quand même un petit peu... un peu d'asthme, mais bon. Donc ouais, tu balances de la boule de feu, si bien, c'est ça.
Ouais, mais comme je suis en premier, bah, c'est dangereux, donc je lance un D6, tu vois, parce qu'il y a les lapins rouges là qui peuvent m'attaquer. Les ombres ont déjà sont un danger en elles-mêmes qui rajoutent un D. Je viens de faire un impair, donc ça fait déjà 1 gigawatt d'engranger et ils sont à 7 au lieu de 6 pour ce tour-ci. En même temps, il y a qu'un tour. Ah, mais quand eux font un impair, c'est aussi pour eux. Ah oui, mais si c'est pair, c'est pour vous. Bah oui, bah oui. Ah, mais du coup, ça pourrait traverser, tu vois, parce que si c'est impair, c'est pour l'autre. Non, tu vois, non, c'est toujours pour vous, impair, c'est pour. Comme ça. Bon bah vas-y, pouf un père, voilà, tac. Oh, on est bien là. Voilà, non mais tu vois en fait on a plus de chances de faire des impairs des pères donc. Bah non, t'as une chance sur deux. Oui, c'est pareil, c'est un D6. Statistiquement, si tu fais le père et un père, t'as toujours une chance sur deux. Hein. Sur n'importe quel dé d'ailleurs, mais bon. C'est... Non, sur n'importe quel dé père. Voilà, mais oui, le truc oui. C'est que de toute façon là, on prouve qu'on voilà. Fait beaucoup plus d'impairs. Là, sur un D2, c'était bien. Et tu peux lancer un D2, c'est soit un, soit deux, c'est pareil. Mais va, donc, ok. Donc, tu craves ce que tu peux en avançant. Les autres. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Alors, moi, personnellement, c'est dû. J'annule la gravité de tout le monde et je les pousse vers le puits, quoi. Mais c'est pas cool. Et je les dirige vers le puits par mon pouvoir de gravité, quoi. Ok, c'est pas très dangereux puis, jusque-là. Pas très dangereux jusque-là. Attends, on n'est pas habitué à voler. Y a en même temps, on n'est pas forcément obligé de prendre du danger, parce que bon, voilà, si, un petit peu, remarque, mais... Si vous voulez engranger des gigawatts, il va falloir. On est à 3, là, actuellement, en gigawatts engrangés. Non, mais pour eux, quoi. Je vais me mettre en danger, moi, parce que je vais attirer des ombres vers moi. Non, mais oui, mais sauf que là, c'est pas ton tour pour l'instant. J'ai pas fini. Le truc, c'est que c'est dangereux parce qu'en fait, j'ai besoin d'énormément de concentration pour générer autant de gravité. Ok. Enfin, d'annuler de gravité. Oui, donc mais tu prends un air grave, en fait, quand tu te concentres, quoi. Ok, vas-y, lance-moi un dé. Ah, yes. Ok. Madame Lily. Alors, Madame Lily, elle voit pas trop ce qu'elle pourrait faire avec ses pouvoirs face à des ombres comme ça. Mais par contre, elle va peut-être essayer. Elle va pas essayer, elle va. Elle va essayer. Non, je vais pas réussir. Elle va attirer l'attention des ombres vers elle pour que ses petits camarades puissent mieux s'en sortir. Tu veux dire que tu vas pas utiliser de pouvoir, donc pas engranger de gigawatts et juste prendre des risques sans, de jetons dans la balance. C'est un peu tendu quand même. Comme... C'est un peu tendu. Le problème, c'est comment je vais pouvoir utiliser mon pouvoir pour prendre quelque chose. Et tu veux utiliser ta compétence, hein, tes compétences. Et t'as ton pouvoir, et je dirais qu'il y a un segway à porter. Ouais, alors segway à porter, ça serait athlétisme, mais ça va pas faire engranger. Ça n'a rien à voir. Tu te jettes sur le masque du nombre et tu essaies de lire son passé pour comprendre ce qui la motive. Et c'est dangereux parce que tu t'approches de sa bouche. Sa gueule, quoi, ou d'elle, quoi, on s'en fout. C'est des objets, c'est pas des êtres. Ou si t'as envie, tu peux utiliser ton pouvoir de psycho machin sur le segway et utiliser le segway. C'est pas con. C'est pas con, c'est même très intéressant. Là, je remercie beaucoup Monsieur Chrome, là. En effet, oui, c'est très intéressant. T'as raison, ça. Je vais leur rajouter un point parce que ça devient trop facile pour vous. Non, mais par contre, ressentir les événements liés à la relique, c'est qu'un imp, donc je claquerai qu'un seul jeton, hein. C'est pas du plus 2. Bah, ça dépend si tu t'en sers. Parce que tu veux faire les deux, hein. Ah oui, c'est vrai que je peux m'en servir. Oui, le mieux c'est de s'en servir. Donc là, par contre, s'en servir, ça serait le jeton. Donc je vais prendre connaissance du segway pour l'utiliser au mieux, vu que Willy n'est pas dans les meilleurs auspices. Et je vais l'utiliser pour repousser toutes les ombres qui vont venir vers nous, le temps qu'on puisse aller jusqu'au puits. Et là, forcément, il va falloir que je me mette en danger. Ah non, mais de toute façon, t'es en danger, hein. T'es en train de piquer le segway d'une paraplégique.
Il y a un danger inhérent pour ta réputation en général. Je l'emprunte. Tu voles des objets. Ouais, c'est ça. Tu je reste à le prix, ouais. Allez, vas-y. Tu des objets de mobilité des handicapés, quoi. Putain, sérieux, quoi. Eh merde. Bon, ben. Il reste un jeton à la misque avec vous. Ouais. Attends, il y a aussi d'autres trucs qu'on peut rajouter, hein, parce que, attends, là on est à combien? On est à... Après, il y a la renommée de l'équipe qu'on peut mettre, c'est ça? Il y a une renommée... C'est celui du MJ, il est... Ok, merci le MJ. Là on a égalité, là, non? Ouais. Je vois le truc. Ouais, mais vu que je la pousse, ça fait 9. On peut mettre le jeton de Willy. Oui. Ça veut dire que Willy, elle va sûrement tomber et rester sur place. Hein. Non, j'ai annulé la gravité de tout le monde. Oui. Et je dirige tout le monde vers le puits. Et elle vient de se faire pousser de son segway, je te rappelle. Hein. Elle flotte. Elle flotte. Ils flottent tous en bas, ouais. Mais du coup, on peut pas mettre la renommée de l'équipe là pour où c'est déjà fait. Vous en avez plus, vous êtes déjà à zéro en fait. Vous avez pas ouais, parce qu'on a déjà perdu par rapport à ça. C'est ça le souci. Alors attends, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste pas grand-chose. Non, on va pas le perdre par égalité. Ça serait moche, ça, monsieur. Complètement. Ça serait moche. Elle peut pas se sacrifier, Willy, là. C'est bon. Ah bah, c'est vous qui faites le choix de la sacrifier, en fait. C'est ça le truc. Mais c'est ce que je dis. Elle se sacrifie pour nous. Elle reste là. De toute façon, je veux dire, dans les films de guerre, c'est toujours l'handicapé, celui qui a perdu ses jambes, qui reste derrière, à faire les bestioles, tu vois, pour laisser le temps aux autres de s'échapper. Aïe. Tu vois, je veux dire, les Starship Troopers, on l'a tous vu. Oui, quoi. Je suis d'accord avec Gadaviel. Et Dobby, il donne pas de main. L'elfe de maison. L'elfe de maison, il donne peut-être un. Non. Il reste accroché à ta jambe, l'elfe de maison. Hein. Est-ce qu'on peut claquer un jeton pour faire un. Demander l'avis du public? T'as plus de jetons à claquer en fait. Oui, c'est non, ça, non, mais problème, c'est bon. Lorsqu'elle se sacrifie, c'est bon, non? Attends, non, si, l'elfe de maison qui a dit qu'il sacrifiait pour nous peut se sacrifier. Grand silence. Je sais pas, moi. Ah si, ce brave elfe. Non, mais cherche pas, il te donne pas ce skill, il pourra pas se sacrifier pour toi. Par contre, attention. Mais oui, oui. Oui, laisse-moi finir, je veux juste. Tac. Ouais. Oh non, en fait, non, c'est bon pour moi. Je l'expliquerai après. J'ai peur qu'on va terminer sur une égalité, ce qui n'est pas bon pour nous, parce que c'est quand même 6 gigawatts. Bah non, si le jeton de Willy est mis, vous avez gagné. Bah, c'est pour ça que je pense qu'on va mettre le jeton de Willy. On mettait le jeton de Willy. Ah bah oui. Voilà. On sacrifie l'handicapé. Ah, c'est beau tout ça. Bah, en même temps, voilà. Hein, je veux dire, hein. Ok, donc... On va regarder déjà combien on arrive en gigawatts. Son segway deviendra un segway de légende et puis on pourra... On arrive à 7 gigawatts. Ce qui fait qu'il va de toute façon vous manquer 1 gigawatt pour en faire les 8. Vous pouvez choisir de sacrifier des points, de prendre des blessures pour monter d'1 gigawatt la jauge en fait. Ce qui serait bon. Et un moyen de gagner des gigawatts, c'est de prendre... Ce qui serait très bon. Et ouais, je pense que j'en prends un moi au moins. Ah bah vas-y alors. Ok. Je dirais en réputation là, hein. Carbon, hein. Genre vous allez revenir sans elle. Ouais, mais avec le Segway. Facile. Ouais, mais c'est la team qui prend du coup. Alors techniquement, ouais. Si je prends 2 points, on prend 2 gigawatts. Et on peut pas en dépenser 1 pour la sauver elle. Pour lui faire récupérer un jeton, si. Voilà, bon, on va faire ça. Bah voilà, dans ce cas-là, voilà, ça c'est de l'esprit d'équipe. Ok, attends, on est à 9 en fait. Mais on l'abandonne pas, donc ma gravité fonctionne. Non, mais de toute façon, elle fonctionnait, c'est pas le problème en fait.
Donc, ok, vous dépensez les 8 jetons sur le truc et le dernier pour redonner un petit peu de peps à la pauvre que vous avez jarté. Ouais. Ah ben, et vous sautez dans ce putain de puits. Qui a sauté en premier? Bah moi, je suis devant, a priori. Non, c'est Gio. Dans tous les cas, vous êtes en train de faire une chute vertigineuse. Et non. Non. C'est un aspirateur. Non, ouais, non, tu contrôles pas, là, pour le coup. Surtout que quand tu ressors, t'es à l'horizon. What? C'est dangereux, ça. À travers un portail ouvert par dans un des laboratoires du département de sciences. Celui d'où est partie l'alarme. Les scientifiques présents ont tenté, a priori, de stabiliser le système de téléportation. Mais il y a eu un petit problème. Et ça se traduit par un étalage de sang, de barbac et de morceaux divers sur toutes les parois du laboratoire. C'est pas très joli à voir et vous avez le droit de vomir. C'est Willy qui est sur les murs? Non, il est avec vous. Non, Willy est avec vous. Le problème est un peu plus pressant. C'est que le portail est toujours ouvert. Et que les gens capables de le refermer sont éparpillés façon Pulse. Et que les ombres vous suivent. Et donc vous allez devoir empêcher des monstres, des ombres protéiformes et affamées de passer ce putain de portail. Le crabe. On peut l'utiliser. C'est un matériel exceptionnel. Le courant. Alors, non, mais attends. On va déjà reset le tableau. Hein. Yep. Voilà, Willy a toujours un point. La pauvre. C'est de l'acharnement thérapeutique. Oh, tout de suite. Et on est sur 12-12 R2. Comme pour... A noter, c'est vrai qu'on l'a pas compté, mais les ombres ont une faiblesse sur le feu. Ce qui fait que normalement, en fait, tout ce qui est pouvoir du feu... Alors pour le coup là je vais improviser, mais ça va compter double. De la même façon que comme vous êtes maintenant dans le laboratoire, tous les skills que Willy va utiliser comptent double aussi. D'accord. Dans tous les cas, ces ombres sont en train d'envahir le laboratoire. Leur but, tout bouffer. Ah bah je les crame, hein. Pareil, hein, toujours pareil, moi c'est Ouais. Voilà, pouf. Comme je suis devant le portail. Au plus près de l'action, au plus près de ton feu et au plus près des bestioles. C'est ça. Putain, un père, quoi. Non, mais tu vois. Oh, mais c'est fini, quoi. Voilà. Je te l'ai dit, on a plus de chances de faire de l'impair. C'est mal barré. Un dé. Ah. Un peu. Ok. Après. Moi, je vais aller sur la console de cet appareillage qui est apparemment unique en son genre, et donc je vais me mettre Stargate. Au diapason avec tout ce machin pour essayer pour fermer ce portail. Ah non, pas volé, pas et tu utilises tes pouvoirs, tu utilises pas tes pouvoirs? J'utilise le copycat à deux, donc à deux ici pour fermer ce foutu portail et pour avoir toutes les compétences qu'il faut malgré qu'il n'y ait plus personne pour pouvoir le fermer. La question c'est comment je peux me mettre en danger avec ce genre de truc. Il s'est abîmé le truc et il y a de l'électricité qui circule sur le panneau. Ah oui, tiens, il y a des étincelles partout, je risque l'électrocution à n'importe quel moment. Ok. L'électrocution. Oui. Écoute, tu vas me prendre 2 dés, même si normalement c'est pas autorisé, j'ai envie que tu prennes 2 dés. Ok. Ça me fait peur quelque part, mais bon. Allez, c'est parti. Il a fait 2 impairs, c'est ça? 5 et 5. Ah ouais, pas mal. Non, c'est ce que j'ai dit, hein, on a plus de chance de faire de l'impair. Hein. Grosso modo, non, ça s'est traduit. Je pense qu'on va se faire virer des gars, en fait. Je sais comment fermer le portail. Ok. Oh, l'équipe de bras cassés, quoi. C'est exactement ça. Je serais d'avis. On est vraiment un team rocket, hein, en fait. Ah ouais, c'est pas possible. Sincèrement, tu veux que je fasse quoi, moi? Par contre, on est d'accord que t'as utilisé du feu, monsieur Obi? Oui. x2, les squills. C'est-à-dire que je lance 2 dés? Non, c'est dire que t'as, au lieu d'avoir 2, t'as 4. Ah! 4. Et donc ça fait 4, 5, 6, 7 contre 8, 12, 13, 14, 15.
Il y a 4 gigawatts. On... Vous vous démerdez pour mettre du feu dans, avec vos pouvoirs, hein, j'ai envie de vous dire aussi. Hein. Il y a comment il s'appelle ? Willy. Ouais, Willy qui participe aussi et qui du coup utilise ses pouvoirs. Et, donc, ses jetons elle vaut double aussi. Ouais, donc elle en... Voilà, donc ça fait déjà 2. Fermez cette porte. Pour ce tour-ci ? Étant donné que je m'électrocute bien, est-ce que je peux avoir mes vêtements qui prennent feu ? Comme ça, ça fait du feu en plus. Oui, mais c'est un peu tard là pour le coup. C'est plus à toi de prendre la parole. Alors, c'est à moi et il y a sûrement des produits inflammables dans le coin ou autre. Ah, complètement, c'est pas sûrement, il y en a. Il y en a. Bon, bah alors. Je me jette dessus, j'annule leur gravité et je les jette dans les flammes que génère notre gros costaud Renan. Ouais, histoire que ça fasse des graboums, des kabooms. Voilà. Ok, vas-y. Et je les jette, et évidemment, quand je les jette, je dirige. Vas-y, Valise, balance tes 4 dés. Avec tes 4 trucs là, tes 4 points. Alors, ça fait 5, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, ça reste quand et même. Et c'est dangereux parce que les produits peuvent me brûler. Vas-y, lance ton dé. Qu'on soit scalé si c'est vraiment pour jamais ou pas. Ouais, de votre côté. Yeah. Donc on est à combien contre combien là ? Alors, d'autre côté, il y en a 4, 8, 12, 13, 14, 15. Et chez nous, il y en a 2, 4, 6, 8. 14. Putain, 14. Alors, c'est con, au lieu de faire 2,5, j'aurais fait 2,4 par exemple, on aurait gagné. 8 gigawatts à vous distribuer en dégâts. Oh putain. Oh la vache. Oh putain. Oh, ça fait mal. Non, mais il veut nous tuer. Hein. Bon, je me suis brûlé moi. Attends, tu sais, il faut être à moins 9 hein, pour mourir hein, sur une jauge. Ouais. Ah oui. Vous êtes 8. Bon, je vais prendre des dégâts physiques, hein, parce que j'en ai pas pris jusqu'à maintenant, mais là, clairement, je vais prendre des dégâts physiques. Combien ? Il y en a 8 à prendre. On va peut-être déborder sur le minuit, hein. Il va me rester encore une quinzaine de minutes après ça, pour de conclure. Ok, c'est en terrain sur le truc de physique, non ? Ouais, terrain, ouais. Physique. Bah, c'est ton pognon et ton identité, ton entité physique. Ok, bah j'en prends 3. Ok. Clairement, tu bien morflé. Hein. Ah bah oui, clairement. Wow, c'est considéré comme à porter sur une civière. C'est du 220, ça se coupe, quoi. Ok, donc t'en prends 3 sur les 8, il reste 5 points à vous distribuer. C'est à toi de voir là, sur le coup. Combien il reste 5 points ? 5 points. Hop. Je veux bien en prendre que 2 moi si c'est pas. Vous pouvez en taper dans le crédit, vous êtes dans un département de l'université, dévaster le département de l'université, forcément ça va avoir un impact sur votre scolarité. Ouais, je prends alors. Dans ce cas, je peux prendre 3 avec du crédit. J'en mets 2 en crédit et 1 en... Ouais, mais là, du coup, je pense que c'est en la renommée. Team qui prend, quoi. Plus la jauge team qui prend, de toute façon. Non, pour l'instant, on va pas taper dans la jauge team. Vous tapez pour vous. D'accord. Ah, c'est bon. Je prends moins 2 en crédit, quoi. Mm-hmm. Ouais, mais c'est bon, j'ai pris moins 3. Okay. Moi, j'ai pris les produits, je les ai balancés, hein, donc... Ouais, bah, clairement. Et l'autre, il a tout fait sauter, donc... comment on calcule les valeurs naturelles des jauges ? C'est ceux qui sont en max. C'est les... De base, vous êtes à 1-0-0. Après, elle monte avec le PEX. D'accord. On peut pas dépenser son point d'XP pour acheter une jauge, non ? Je l'autorise, si tu veux monter une jauge à 1, que tu claques ton point d'XP pour monter une de tes jauges à 1. Naturelle, je parle. Ouais, pourquoi pas. Bon, on clean, en fait ? Je préférerais monter mon pouvoir à 3, mais... Ouais, alors t'as pas assez, là. Ok, cliné. Et on a plus Willy. On n'a pas sauvé Willy. Non. L'orc est en train de se noyer.
C'est à vous. Vous êtes toujours face à 12-12. Enfin, je clique les points. Sachant que, de base, il y a un dé qui passe de base chez vous. Il y a déjà un point chez vous et un gigawatt d'engrangé. Ok, hey. Bah j'attaque avec le feu, boule de feu, pouh. On a trois soleils, bam, dans leur gueule. Ils n'ont plus le droit de bouger. Tu prends des risques, tu prends pas de risques? Eh ben je sais pas en fait, ça me paraît pas déconnant de pas en prendre en fait. Parce que du coup, enfin je peux, hein, mais bon, je vais encore leur ajouter un dé, donc... Enfin, un jeton quoi, donc... Bon allez, vas-y, on va espérer que je fasse un pair. Oui, je fais un pair, putain. Donc pareil, hein, je me fais rapprocher. Et à moi tout seul, je fais la... Je fais presque la moitié, hein. Ouais. Bah, t'as fait la moitié en fait. Il faut... Oui, mais il y a un point qui est pas moi, mais. Réussir. Ok. Ikaru ? Bah. Il reste des produits ? Bah, tant que tu dis qu'il en reste, il en reste. Bah, il reste des produits, hein. Donc, Même chose, tu les fais tournoyer avec tes pouvoirs et tu les balances dans le feu pour que ça explose, quoi. Ouais. J'annule la gravité, j'envoie avec le pouvoir. Un peu triste, hein. Moi j'hésite à lui donner un jeton à la difficulté, hein, parce que c'est un peu la même action, hein, pour vous deux. C'est gros connard. Tu prends de la difficulté? Dans le sens... Bah oui, parce que les produits, je regarde pas ce que c'est exactement compagnie, je vois que c'est inflammable... Ça alors tactiquement, si t'en prends pas et que Tlon arrive à trouver un truc à 4 points, on les bat. Et on n'a pas besoin de... Ah oui. On n'a pas alors besoin justement, de la difficulté. Justement, c'est un laboratoire scientifique, c'est pas un truc historique. C'est scientifique. Par contre, ils peuvent très bien avoir une loupe d'Archimède, celle qui a coulé la flotte perse. C'est pas, il peut avoir. Si tu dis qu'elle y est, elle y est, point. Elle y est, bah, y a une loupe. Si c'est pas débile, j'aperçois cette foutue loupe. Et j'utilise la grande baie vitrée qui donne accès au soleil extérieur pour grosso modo pénétrer le foyer le plus incandescent possible de la loupe en plein sur le portail. Okay. Dans un sous-sol. Vas-y. Ah bon. Ouais. C'est pas du pouvoir, feu, on du coup, est d'accord, hein. C'est chaud mais c'est pas du feu. Hein. Sur le portail, pas les ombres. Hein. C'est chaud, mais c'est pas du feu. C'est les gens qui craignent le feu, pas le portail. Tu sais quoi? Quoi? Les étincelles, y a des trucs qui... Y a de l'essence qui vole. Tu prends ta veste, tu la trempes d'essence, tu la plonges dans une étincelle et hop, tu jettes le truc. Et comme ta veste, c'est un truc un peu magique, puisque ça vient... Voilà, ça vient de quelque part. Voilà. Oh putain, vas-y, tiens, prends une pelle et creuse. Du coup, pourquoi ça c'est un peu tiré par les cheveux. Alors, ah oui, donc c'est pas la chaleur, c'est le feu, bah, clairement, c'est vrai le non, feu. Non, tu veux prendre une blouse, tu veux prendre une blouse d'un des mecs morts, tu vois. Ah putain, il y a la blouse d'Einstein qui traîne, non, de Niels Bohr, non mais c'est naze, parce que je crame un truc pour rien. Mais bon, si, il y a cette blouse de Niels Bohr qui traîne, présente là-dessus, que je trempe dans l'essence de térébenthine, et que je fais flamber via les étincelles qui pètent de partout sur cette foutue console qui m'a déjà bien électrocuté, et une fois que ça crame bien, je balance tout ça dans le portail. Et à quel moment tu utilises tes pouvoirs dans tout ça? Et justement, parce que la blouse, j'utilise pas en fait. Parce que là, pour moi, c'est clairement juste une action physique athlétique. Hein. Ouais, et... Bon, écoute, ça va être une action athlétique, et c'est à 1, c'est ça? Ça fait que... Bah, je sais pas, ouais, c'est toi qui... C'est un plus 1, normalement, que j'ai, c'est pas autre chose. Ah, c'est toi qui a, ouais, donc c'est athlétique avec du feu, donc ça fera que plus 2. Ouais, plus 2, là-dessus, mais je me mets en danger. Non, attends, il n'y a pas moyen que tu utilises un de tes pouvoirs, parce que si t'as un pouvoir à deux et que ça le double... Oh putain, oui, si. Merci l'écureuil. Oui, c'est pas la... c'est la blouse de Schrödinger. C'est pas bien ça, fait... monsieur l'écureuil. C'est la blouse de Schrödinger, ce qui fait qu'en fait, au lieu de balancer une blouse, j'en balance deux.
Mais il faut connaître la théorie de Schrödinger pour pouvoir l'utiliser. Donc là, il bah, le pouvoir pour la connaître. Comme j'ai la blouse en main, en gros, t'as une blouse sur toi que tu utilises pour dédoubler une autre blouse, c'est ça, ça Non, parce que pour utiliser ton pouvoir, il faut que tu l'utilises, hein, je te rappelle. Oui, c'est vrai, il faut que j'utilise. Putain, non, ça va pas, c'est trop tiré par les cheveux, ça. Mais c'est pas grave, putain. Je pense que c'est pas grave dans l'univers, hein, voilà. Ouais, bon, j'enfile la blouse de Schrödinger, ce qui fait que je réussis à faire... Oui, mais le truc, ça va être un feu qui en même temps brûle et ne brûle pas, ce qui est débile. On s'en fout. Mais bon, je fais ça. J'utilise cette foutue blouse, ce qui fait que après je balance un truc directement en utilisant ce qui crame déjà, ce qu'a mis Ichiro sur le portail, pour faire cramer quelque chose qui fait une drôle de réaction bizarroïde étant avec ce que je suis en train de faire. Okay. Donc là, on est à égalité. Et clairement, non, vous êtes à plus 2. On est à plus 2 là, on a plus de jetons là. On est tous de l'autre côté et on est à 14. On est à plus 2, ouais. Mais il y a un risque quand même. Avec tout ce truc et tout ce feu et la blouse de Schrödinger. Donc tu me lances quand même ton dé de risque. Ça veut dire qu'on gagne quand même. Ça veut dire que même si je perds là, on gagne quand même. Oui, mais tu peux. Eh ben on a bien fait d'avoir plus 2. Ok, ça fait 7 points à dépenser. Putain. De toute façon, le contrat est terminé derrière, hein, donc... Ouais. Il faut redonner des points à la paraplégique, là, qu'elle puisse récupérer un peu, parce que... Bah là, on peut pas, elle a pas dépensé de points, puisqu'elle est tombée autour d'avant, non? Bah, tu peux toujours, elle est là, hein, il a pas disparu, le PNJ, hein. Ah, je sais pas. On a combien? On a 7, c'est ça? Mmh. Attends, on a 7 et le contrat il était de 8. Non. Attends. Franchement, je me suis planté un moment dans le système, mais c'est pas grave. Mais le contrat il est de 12. Alors, bouge pas, on a 16 points en tout, le contrat est de 12. Bon, donc il nous reste, si on descend le contrat à 0, on liquide tout, nous reste 4 points. T'es non, à 7, attends. Pas à 17, hein! Ah oui! On est à 7 de gigawatts. Ah oui, non, c'est les gigawatts. Oui. Pardon, comme Georges Brassens. On est à 7 de gigawatts. Il nous en faudrait un de plus. Donc, déjà sur. En fait, mais non, toujours pas, il a 12 le contrat, il a pas 8, hein! Alors, bah, je le vois pas, moi. Déjà dessus, moi personnellement je rends un point à Willy, ça c'est sûr. Ça il en reste 6. Okay. Et ensuite on peut essayer de, je pense, remonter nos jauges un petit peu à droite à gauche. Alors, là. Parce que... Juste une question, il y a un intérêt à descendre la valeur du contrat quand même, Oui, même parce si que c'est le nombre de points de dégâts que vous prenez du contrat. Oui, justement, c'est pour ça qu'il faut le baisser au maximum. Dans ce cas-là, on donne un point à Willy, on baisse le contrat de 6, et les 2 points de dégâts qu'on prendra, ça va être du financier, parce qu'avec tout ce qu'on a... C'est 6. C'est 6. C'est 6. C'est 12 points, le contrat. Ouais, mais il est pas marqué, moi je vois l'ancien qui est à 6 au contrat 8 R1. 8. Et oui, c'est vrai qu'il est pas marqué, mais en fait, c'est le nombre de jetons qui est en haut à droite dans la petite cercle gris. Ok. Et le nombre du contrat. D'accord, bah voilà, tout c'est clair. Donc en effet, c'est 6. Et ben, je pense qu'on va se prendre 6 points financiers, donc ça fait 2 chacun. Ok, bon, vous faites ça, 1 point à Willy et vous répartissez 6 points de dégâts. Yeah. Allez-y. De mémoire, j'ai dû me tromper, vous prenez pas de dégâts intermédiaires, c'est seulement à la fin, je pense. Hein, mais je suis pas sûr. Mais tant pis, c'est pas très grave vu la suite. Bah là, il va y avoir la cavalerie qui va arriver, je pense, mais... Bah, c'est un peu l'idée, donc clairement, bah, vous morflez bien la gueule entre les ombres qui sortent, Willy qui essaie de vous donner des instructions, vous qui les écoutez pas, qui balancez des feux qui brûlent et qui ne brûlent pas, enfin, c'est un gros boxon, et les ombres sont en train d'envahir la salle. À ce moment-là,
Bah c'est simple, hein, les portes, une des portes blindées s'ouvre et une équipe de trois héros de troisième année arrive pour faire le grand nettoyage équipée de positronneurs désintégrants. Ah bah voilà. Ah bah oui, mais voilà aussi, surtout si c'est un chico. Même chose, hein, mais il faut pas croiser les flux, hein, c'est mal. Donc, ce qui fait que, bah, vu votre état, et vu que vous n'êtes pas capable de vous déplacer, vu votre état, on vous envoie directement à l'infirmerie. Ouais. M'étonne. Alors, l'infirmerie. Détour à l'infirmerie. Donc, vous êtes accueilli par le charmant Castor, qui dès qu'il se retourne, laisse la place à Pollux, son siamois, lequel vous insulte. Donc, bah, bienvenue à l'infirmerie. Ah, vous avez l'air d'avoir un peu mal, ça va? Mais quelle bande de lopettes! C'est quoi ces héros en carton, là? Non, connard, on se marre. Hein? On se marre. Dans tous les cas, il y en a un qui essaie de prendre soin de vous et l'autre qui vous insulte. Hein. Et à côté de ça, une jeune femme blonde de 2 mètres, carrure d'athlète, vient vers vous, habillée en infirmière. Et très clairement, elle dit aussi à moi de vous laisser tranquille, d'une voix assez ferme, et vous demande comment ça va. On a connu mieux quand même. Hein. Alors, elle vous est, donc elle se présente, Valkyrie. Elle remplace le docteur Kim Stensey, qui est actuellement en vacances, et elle va s'occuper de vous. Alors du coup, elle est en tenue de docteur, pas en tenue d'infirmière. Ah, elle est en tenue d'infirmière sexy. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, carrément. Ah bah, dis donc. Oui. Donc, simple, hein. Elle vous remet tout en place, hein, façon... vous le sentez bien passé, hein. Tu m'étonnes. Ouais, façon kiné, quoi. En même temps, c'est pas comme si on avait, nous, provoqué l'arrivée d'un troll n'importe où. Voilà. Alors, elle se présente, elle s'appelle Skuld Eriksen, dit Valkyrie. Ça commence à être récurrent chez toi, un peu, les Valkyries, hein, mais... Ouais, c'est pas moi qui fais le truc, hein. Et puis, ça, c'est un autre scénario, hein, en ce moment, celui de l'autre avec les autres Valkyries. Et, c'est simple, hein, elle vous remet en place, elle vous remet un peu d'aplomb. Elle aborde le Bringsingamen, un artefact qui permet de stocker une armure de combat qui est sur son front. Une espèce d'anneau, petit fer à cheval doré sur son front. Je dis ça l'évite de toucher là, le truc. Ouais. Bordeaux. Utiliser le pouvoir aussi. Là. Elle est en troisième année. Et elle est infirmière au Trauma Center, là où vous êtes. Aussi, elle accompagne les âmes des défunts, le cas échéant. Ah oui, d'accord. Ça va comme boulot. Donc, elle vous remet à peu près d'aplomb. Vous me rajoutez un badge qui est Better Call Val. Ah ouais, la référence elle est subtile quoi. Et donc, à ça, vous récupérez tout ce que vous avez perdu en terrain. Vous remettez à zéro en terrain. D'accord. Pour le reste, il faudra se démerder autrement. Autre chose, donc, vous gagnez aussi un badge, un pied en Fairy. Et un Pex. Il y a pas d'autres trucs, mais déjà un pied en faillerie, en badge. Badge suivant, réserve de nourriture d'urgence pour avoir libéré la Bogart et cette liée d'amitié avec elle.